Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup. Eh ben, Fallout New Vegas sur PC, je viens de relancer la partie. Je préviens d'avance pour ceux qui regardent cette vidéo, même pour ceux, vous qui êtes en live, sur le live. Je suis complètement HS, je reviens à TwitchCon et du coup je galère énormément à retrouver mes pensées. J'ai beaucoup d'absence, beaucoup de blanc, donc il est possible que je sois souvent perdu dans la discussion, l'histoire, le truc. Oh, il y a des tas de trucs à vendre. Si j'aime bien, n'empêche, l'ambiance du jeu, ça me rappelle les vieux FPS. Donc pour l'instant, ça me va, les intérieurs me plaisent bien. Ils m'embêtent pas plus que ça. Je trouve ça plutôt cool, même. Ah, il fallait que j'arrive à convaincre les gens de résister face au. Enfin, j'ai choisi de les aider à résister, je crois. Bon, en fait, est mort, c'est pas forcément la TwitchCon qui hype. C'est le fait de croiser des gens avec qui t'as contact, etc., tu vois. Que ce soit des streamers avec lesquels t'as un contact. Alors, je parle pas de forcément rencontrer des streamers à qui j'aurais envie de demander un autographe, ou genre de choses. C'est pas mon idée. C'est, tu vois, ça fait longtemps qu'il y avait Hughes, par exemple, que j'apprécie beaucoup Hughes, et que j'avais encore jamais eu l'occasion de le rencontrer pour de vrai. Enfin, pas l'occasion, c'est-à-dire que... j'avais encore jamais saisi l'occasion, parce que les occasions, j'en avais eu plusieurs, puisque Space ou même Nukes m'avaient déjà invité à des événements caritatifs, par exemple, et comme je dis non à chaque fois, je les avais pas encore vus. Le sous-marin qui a implosé au Titanic, il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, je suis incapable de vous dire si c'est de quel âge ça. Si ça se trouve, ça date d'il y a 6 mois, je voilà. Mais en gros, il y avait un système touristique autour du Titanic et là, il y a eu pas mal de personnes importantes parce que bon, ça coûte 250 000 euros le billet de descendre dans le Titanic. Et pendant 5 jours, il y a eu un grand branle-bas de combat pour essayer de retrouver où était ce vaisseau parce qu'ils avaient perdu le contact. Et ça fait 2 semaines, pas loin. Ok. Salut. Et du coup, le truc, c'est que en fait, ils n'ont rien pu retrouver parce qu'ils ont fini par tomber sur des débris. Et donc, on savait que lorsqu'ils ont disparu, ils avaient 96 heures d'oxygène. Et donc, il y a eu un compte à rebours qui s'est lancé. Tu t'es dit, punaise, ils ont peut-être 96 heures, ils sont peut-être perdus au fond de l'océan dans un sous-marin qui ne peut plus bouger. Et on a 96 heures pour les retrouver. Ça a enclenché un gros chronomètre assez stressant. Bon, on s'imaginait les gens pendant 96 heures enfermés dans un tout petit tube, parce que vraiment le sous-marin était petit. Et en fait, il s'avère que le sous-marin a implosé. Donc, lors de la première descente, au bout de quelques minutes, enfin 90 minutes, un truc dans le genre, je sais plus. Et du coup, voilà, ça fait schrunch d'un seul coup. Voilà. Et donc je disais ça parce que dernièrement, il y a des vidéos de tests qui avaient été sorties avec une vidéo d'un scaphandre. Il y a un semblant de corps à l'intérieur. Donc vous savez, les corps de simulation qui permettent de voir, par exemple, ce qu'un réacteur fait sur un visage, ce genre de choses. Un réacteur d'avion se peut déclencher sur un visage, à quel point ça brûle et tout. Et ce genre de choses. Et en fait, tu vois le scaphandre qui se plie un peu vers l'intérieur quand il y a l'implosion. Et le truc intérieur, tu vois le niveau du sang qui monte. À l'intérieur du scaphandre, c'est très rapide hein, et ça a l'air d'être très violent. Voilà, donc la question c'est de savoir s'ils avaient souffert ou pas, et apparemment ils n'ont pas eu le temps de comprendre trop ce qui leur arrivait. Quoi. Ah, c'est avec lui qu'il faut que je parle. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolé. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Ah mais je me sentirais mal. Après, je t'avoue que j'adore le Titanic, mais de là à y plonger, si j'avais eu les sous, je pense que je l'aurais jamais fait. Hein. Donc, ça complique les choses. Hein. Les grands restent généralement sur. Oh mince! J'ai cliqué parce que ça a mis une petite seconde à charger. Je crois que ça avait pas pris en compte mon clic, mais en fait, si. Du coup, ça a passé une ligne de dialogue. Ce sont des durs, mais ils sont pas cinglés. Ils vous laissent généralement tranquille, sauf s'ils veulent quelque chose que vous possédez. Les grands cannes dealent de la drogue. La dope que vous pourrez trouver sortira probablement de chez eux. 2 fois. Chaque fois, j'ai bu beaucoup et perdu presque toutes mes capsules aux cartes. Dans cet ordre, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Si vous allez à New Vegas, faites un tour au Gomorrah. C'est le meilleur casino de la ville. Vous le regretterez pas. Un conseil, pas de bêtises.
entre la police militaire de la RNC et les robots de Monsieur House, mieux vaut éviter de faire des conneries sur le strip. Ah ouais, en plus. Ouais, coucou manque de bol, comment vas-tu? Ah, je crains de pas savoir grand-chose. Monsieur House a son propre casino, le Lucky 38, mais personne n'y met les pieds en dehors de ses robots. Les autres casinos suivent les règles de Monsieur House, alors je suppose que ça en fait le chef de New Vegas. À ce que je sais, personne ne l'a jamais vu. Je crois que le robot qui a sorti votre corps appartient à Monsieur House. Si Monsieur House vous cherche, c'est plutôt une bonne chose, non? J'aimerais tellement doubler un personnage comme ça dans un jeu. Un marchand, un truc, ce genre de choses où on a un peu rien à schtroumpfer, mais... on peut le visiter virtuellement, c'est-à-dire Couscous. Ah, on peut visiter le bateau tel qu'il était avec Honor and Glory, c'est de ça dont tu parles, Couscous. Moi, je t'avoue, ce qui m'aurait plus, c'est de pouvoir visiter l'épave. Tu sais, ils ont fait des gros scans 3D du truc. Alors après, comme ils le disent, il n'y a plus aucun corps en Titanic, peut-être après dans des pièces qu'on n'a pas visitées. Mais les corps sont très rapidement dissous et partent... voilà, tu vois. Mais du coup, oui, la pression est trop importante pour retrouver des corps, c'est ce qu'ils avaient expliqué. Je parle pas forcément du Titan, mais même des corps du Titanic, en fait. Souvent, il reste des chaussures, des vêtements, mais pas des cadavres, quoi. Pas des squelettes, ce genre de choses, il me semble. Si Ringo se rend pas, je crois qu'il faudrait le livrer. La ville a rien à voir dans cette histoire. C'est pas une question de l'acheter. On est des survivants et on sait se battre quand il faut, mais on cherche pas les ennuis. Après, le truc, c'est que déjà en 2020, ils pensaient qu'il se serait déjà écroulé, le Titanic, donc à voir. Et salut la Valbus, comment vas-tu? Ouais, j'ai craqué juste avant de partir à la TwitchCon, et là, je me sens trop fatigué pour essayer de travailler encore, donc... Non. Je crois pas que ça le soit, Jacques Oscar. Après, il y a des gens qui se sentent bien dans cet environnement. L'un des passagers décédés du... Le truc, je crois que c'était la 38e fois qu'il plongeait, ou la 28e, ou je sais plus quoi. Je crois que c'est la 38e fois qu'il plongeait voir le Titanic. Donc il a fait 38 fois le voyage, t'imagines? Je sais pas si c'est 28 ou 38, j'ai pas la mémoire des chiffres et tout. On a fait juste une session de 2-3 heures juste avant que je parte à la TwitchCon. Et là, je suis toujours dans la première ville en train de faire le choix entre aider les poudriers et aider les villageois. Et je suis en train d'essayer d'aider les villageois, donc je pense que je suis vraiment encore au tout début. Où qu'on passe, on détruit l'écosystème, Warfen. Je pense. C'est mon avis. Hein. Les modifications d'armes sont les objets tels que les silencieux, les lunettes ou les chargeurs de grande capacité. Les munitions spéciales comprennent les balles perforantes, qui causent des blessures moins graves mais percent les protections. Il y a aussi la pointe creuse qui a l'effet inverse. On tue plus facilement une cible sans protection, mais ça vaut rien contre une armure. Je trouve que c'est les commencer à lancer les perceuses, là encore, et c'est une affaire de quantité par rapport à la qualité. Utiliser ces munitions, ça oblige à nettoyer et réparer son arme beaucoup plus souvent. Des fois, je clique, il se passe rien, donc ça m'oblige à cliquer deux fois, et c'est là que je passe le dialogue. Une minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers. On parle d'un investissement d'un millier de capsules, là. Très bien, gardez-moi en dehors de ça. Autre chose? D'accord. Je sais pas encore comment ça fonctionne là-dessus, donc l'homme d'affaires hebdomadaire, la boxe pour les passionnés, hein, levure.
Pièce électrique, électronique, pardon. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. J'ai appuyé sur les boutons pour la tenue Pony Vegas 76 pour quitter la conversation. J'aime bien ce genre d'ambiance vieux FPS. Peut-être que je pourrais essayer de monter de niveau et faire monter mon troc assez pour qu'il puisse réagir. Donc il y a deux personnes, je crois, que je n'ai pas réussi à convaincre. Ça me perturbe tous les boutons, j'ai tellement pas l'habitude de cela. Là, il me restait 2-3 personnes. L'état des trucs est pas bon là. Je sais pas à quel point je suis loin du prochain niveau. Peut-être que c'est expliqué dans les stats. Comme ça, je monte le niveau dans deux sessions et j'essaie de mettre les mecs de mon côté. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. Descendre en dessous des 26.5 là. La clé ne doit pas être assez efficace. Tu vois, le problème c'est que j'ai du mal avec ce type d'environnement. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît, tu vois, comme décor. J'arrive à trouver des geckos, justement, ce genre de choses. Avec les grosses bestioles. Bonjour, bonjour, y a-t-il quelque chose par ici? Je vois rien. On se fait bien une petite zone là pour avoir des ennemis, ça. Tiens, il y a une entrée par là devant. Alors, pas d'ennemis par ici. Faudrait que j'arrive à tuer une ou deux personnes quand même. Et les petits sauts d'image là, je sais qu'on appelle ça exactement. Il y a un terme anglais pour ça. Je sais jamais si c'est shattering ou un truc dans le genre. Les objets qui clignotent au loin. Il va falloir trouver des ennemis là. J'aimerais bien monter un peu d'XP pour réussir
à monter de niveau, et donc en montant de niveau, essayer de débloquer les quelques éléments qui me manquent, atteindre les paliers manquants, là, tu sais, genre 25 quasiment partout, pour pouvoir au moins avoir la base de la... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. J'ai oublié le nom. Geckos sont déjà tous morts par ici. Et je me dis que plus je m'éloigne, plus je prends le risque de galérer. Oh, elle est trop mignonne, des bestioles de, au fond des océans. En fait, il y a juste une, zone qui est vachement violente. Et ensuite, ça va un peu mieux. Wow. J'aurais pas dû boire ici. M'aider. Ma copine est coincée par des geckos sur la crête et je peux pas l'atteindre. Je vous en prie, elle va se faire tuer. Remontez le chemin au-delà de la tour radio en ruine et partez sur la droite. Ils sont au sommet de la piste. C'est vrai? Merci de m'aider. Dépêchez-vous. Mais la tour radio, c'est quoi? Mais 5 d'XP, ah ouais, quand je sais que j'en ai 200 à faire, Et le jeu rame quand même. Hein. Je sais plus quelle est la touche pour accéder au... Et que c'est V, pour View. C'est où la quête, là? Attends, sélectionnez la quête, donnez. Bah, c'est pas une quête. Ah, je suis paumé là. Il me dit il y a une tour radio. Ok. Pense à moi comme je te save. Ok, eh ben j'ai vraiment pris cher. En plus c'est le camp des poudriers. C'est pas clair. TF5, on sait jamais. C'est pas le jeu de se faire bouffer, ma pauvre Lucette. Objet. Bon, un médecin utilise un Steam Pack.
Donc, il existe trois moyens de soigner l'infirmité. Dormir dans un lit, voir un médecin, ou utiliser un steampack. Les steampacks peuvent être employés à titre général, ce qui soignera légèrement l'infirmité, ou être appliqués directement sur la partie du corps infirme. Pour soigner une partie du corps infirme à l'aide d'un steampack, rejoignez l'écran stat du Pip-Boy, puis cliquez à l'aide du bouton gauche pour y assigner le steampack. Me retrouver à court de clopes. C'est les fameux poudriers. Bon, ils ont pas à être méchants pour l'instant. Et de quoi que tu vois ? Skydiving. Et la clé que... Ah mais non. Casier vide. Ok, bon, on va ressortir. Tu la vois la tour radio? Bon, en fait, c'est à ça que je pense pour la tour radio, tu vois. Mais je sais pas si c'est vraiment ça, ce qu'il me dit. Quand même, ça fait loin, non? Il me dit que vous m'essayez de suivre le chemin de la tour radio et vous arriverez bien à destination. Du coup, ça me paraît extrêmement bizarre, cette histoire. C'était lui, là, qui me parlait. Bonjour. Dépêchez-vous, elle est sur la crête après la tour radio en ruine. Ah non, la tour radio en ruine. Vous devez... Donc c'est par là-bas et là-haut. Ça me paraissait impossible qu'elle soit là-bas et que le mec soit là, tu vois. Un peu plus violent. Non. Ah, un petit coup critique, là, ça fait bien. Sur la crête. Pour l'instant, je ne vois personne. Et coucou, petit fila. Alors, des nouvelles? Eh, c'est Victor? Vous feriez bien de faire attention, le coin est dangereux. Je renifle les ennuis de sacrément loin, vous savez.
je vous aime bien. Je vous l'avais déjà dit. Je vous ai sauvé la vie, alors je me sens un peu responsable de vous, c'est tout. Bien sûr. Mais tout le monde a besoin d'un coup de main de temps à autre. Vous me rendrez l'appareil un jour. Ce ne sont pas les termes que j'aurais employés. Je vous ai sauvé la vie. Eh ben... J'ai pas pu lui poser la question, du coup. On s'éloigne sur le côté. Est-ce que j'ai vu quelqu'un là-haut ? J'ai l'impression que tout part à côté là. Coup critique à jeune Gecko. Excusez-moi mon jeune ami, mais je serais mieux de récupérer un peu de vie. Itar, help. Comment ça à titre? Où ça à titre? Et coup modificatoré, comment vas-tu? Je sais pas. L'un d'Henri. Comment ça va, monsieur? Rien de rien, toujours pas de nouvelles du coup. Et coucou, Mama. Alors, est-ce que tu connais Skyrim ou pas, Mama? Les Elder Scrolls en général, que ce soit Skyrim ou Oblivion ou... Parce que si tu connais ces jeux-là, ça simplifie grandement les explications. Comment je peux avoir si peu de vie et encore en bon état? Ah. Ça va mieux. Et non, tu ne connais pas non plus. En fait, faut partir du principe du coup que c'est un jeu où tu racontes ta propre histoire. Oh punaise, oh punaise. Lui ne m'a pas attaqué pour l'instant. Oh, c'est galère. Donc celui-ci est un peu vieux maintenant, mais t'as des jeux plus récents comme Fallout 4 ou Skyrim et ce genre de choses. Et en fait, ceci, c'est un jeu en post-apo. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'univers était un peu comme chez, comme dans notre univers dans les années 30, 50, etc. Qu'est-ce qu'il y a tellement de monde. Et en gros, ce qui se passe, c'est que des bombes nucléaires tombent dans l'année 2077. Et en fait, souvent, tout le temps, mais pas tout le temps en fait, parce qu'il y a un jeu où tu commences avant la chute des bombes. Mais en général, tu es un survivant dans un environnement après la chute des bombes, avec différents... Des fois c'est 50 ans après, d'autres fois 100, ou un truc dans le genre, tu vois. Et en fait, tu as tout le monde autour de toi et tu peux explorer. Alors les plus vieux jeux de la licence ne ressemblaient pas du tout à ça, mais en fait tu peux aller où tu veux et aller dans une maison, parler avec des gens, décider de qui va être tes amis, qui va être tes ennemis, etc. Et ok, Pitifia. Ah, ok, je casse Canel. Et en fait, tu vas créer ton personnage, placer tes points, décider comme dans n'importe quel RPG quasiment. Et tu peux y jouer en vue FPS ou en vue troisième personne. Et donc, c'est à toi de décider comment tu t'habilles, à quoi ressemble ton perso, etc. Voilà, et donc là, je viens à peine de commencer celui-ci, qui est quand même assez vieux, mais apparemment, pour les fans de la licence, ça fait partie de ceux qui sont les meilleurs en termes d'RPG 300, enfin 3D, pardon.
attendre bien gentiment que ça se recharge. Alors on peut essayer de viser en FPS, ce jeu étant un peu vieux, il va galérer. Non. Le nombre de balles qui se ratent. Contre animal, élimination d'animaux mutants. Ok. Et toi, tu peux fouiller les animaux, etc. de manière à récupérer les ressources et en faire quelque chose en craftant ensuite ce genre de choses. Voilà, donc c'est un jeu d'aventure où tu es particulièrement libre dans ta façon d'explorer. Tu peux très bien essayer de continuer l'aventure principale ou de partir explorer le monde. Forcément, comme cet épisode 6 fait un peu vieux. Voilà. J'ai quasiment plus de balles. Il y en a encore un au-dessus, apparemment. J'ai du mal moi à jouer avec le Pip-Boy, avec la vue spéciale là. Voilà. Mes dernières balles. Bah ouais, mais en fait, et encore, t'as pas vu les moustiques ou ce genre de choses. Ce qui est là, le souci, c'est qu'il n'y a pas que ça. Du coup, peut-être changer d'arme parce que je vois qu'il me reste plus grand chose. Je suis pas mal blessé, mais c'est pas grave pour l'instant. On va essayer de se récupérer une autre arme. Genre le pistolet, il me restera des balles normalement dessus. Ah, c'est la chérie, ça. Ou elle a réussi à se planquer ailleurs. Parce que si c'est la chérie du monsieur, ça s'est un peu mal terminé pour elle, je crois. Et je sais pas si je pouvais la sauver ou non. En allant plus vite. Non. Je sais pas si on aurait pu aller se planquer ailleurs ou pas. Oh non, il arrive. Bon bah écoute. Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les geckos. Ah. Maintenant, je peux aller récupérer ce stock là-haut. Après en avoir fini avec vous. Allez. Waouh. Écoute, toi, tu vas te calmer. Tu vois, c'est ça moi qui m'agace. Ouais, je vais crever. Oh punaise. J'ai horreur du système de tir à cause de ça. Parce que toutes tes balles partent à côté. Et je me dis, au moins, si c'est moi qui vis, j'ai moins de chances de mourir, tu vois. Alors attends, ça va faire charger où, ici? Il va falloir que je retue tous les geckos, faut que je prenne l'habitude de se garder plus souvent. Que ça me ramène quand même sacrément loin en arrière. Et du coup, c'est l'une des choses qui m'a fait arrêter le 3. Je trouvais que la sensation de tir était horrible. Et que j'ai horreur de me dire « Ah oui, mais je l'ai visé avec mon machin, là, et en fait, sur 4 balles qui sont parties, il n'y en a aucune qui a touché. » Alors que je me dis que si c'est moi qui vise, ça vise mieux. Tu vois ? Il y a peut-être une chance, de se garder de faire ça.
Non, ça recharge juste une ancienne partie, je crois. La dernière part sauvegarde automatique. Donc c'est pour ça, là, il faut qu'on se retape tout ce qu'on a déjà fait. Comment vas-tu, Calicius? Quoi de beau? Vous feriez bien de faire attention, le coin est dangereux. Bien sûr, mais tout le monde a besoin d'un coup de main de temps à autre. Vous me rendrez l'appareil un jour. Je vous ai sauvé la vie, alors je me sens un peu responsable de vous, c'est tout. De quoi? Eh ben, bonne route alors! Écoute, Pipers, ça boum? Ouais, là j'ai bien boumé, j'ai bien explosé. Attends, tu me disais quoi? Tu vas rouler dessus puisque tu as déjà fait. Non. Entre deux jeux Sunsa et Diablo 4. Ben, j'espère que tu t'éclates dessus. Ah! Pardon. Alors que je fasse gaffe et que j'essaie de pas faire trop de bêtises. Bon, c'est F5 pour sauvegarder. J'ai peur de... Bon, on va faire comme ça, sauvegarder. Oui, et d'ailleurs j'aurais dû enregistrer, j'ai pas enregistré le fail. Et c'est F5 du coup. Ouais, sauvegarde rapide, c'est bon. F5, F9. Parce que je sais qu'il y a un épisode où c'est pas les mêmes touches, genre F5 c'est pour charger... Et F9 pour sauvegarder, des fois ils inversent. On va se regarder plus souvent. C'est lui que j'ai vu ou c'en a un autre? Mince, il y en a un deuxième qui m'a vu là. Il se bouge vite, ces schtroumpfs. Balles qui partent à côté. Aïe, mais c'est tellement lent la visée sur le jeu. Alors c'est pas un jeu multi celui-ci, Mama. C'est un jeu qui est vieux, qui est sorti en entier. C'est un jeu rétro en quelque sorte, ça fait un moment qu'il existe. Donc non, il n'y a pas de nouveauté à proprement parler, si ce n'est que des gens vont essayer de le refaire sous forme de mode pour qu'il soit plus joli et efficace que ce qu'on a actuellement là. Parce que là je joue au jeu d'origine, il n'y a aucun patch, aucun mode particulier, il existe des choses pour améliorer le jeu qui ont été développées par des fans, mais le jeu est tel quel. Alors est-ce qu'il est fade? Tout dépend de ce que tu attends de ce genre de jeu, Mama, en fait. Moi je trouve que c'est des jeux qui sont fascinants, celui-ci me plaît moins parce que j'aime pas ce type d'environnement, tu vois. J'aime pas ce type désertique, un peu savane, aride. C'est pas des choses qui me plaisent, véritablement. Je trouve ça vide, je trouve ça moche. Mais les histoires sont fascinantes. Et du coup, j'essaye. J'ai longtemps hésité à le faire, celui-ci. Et là, je sais pas, j'étais motivé. Donc je me suis dit, vas-y, on va tenter. Et on verra bien où ça va nous mener. Mais du coup, faut gérer ta discrétion, en fait. Tu vas avoir à placer des points, des aptitudes. Donc tu as ton personnage, on voit que le mien douille un peu, on va lui redonner le sourire en lui mettant un pad. Là il y a tes points d'aptitude générale, ta force, ta perception, ton endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance, qui en anglais donne spécial, c'est ton spécial, mais en anglais ça donne spéciac. Voilà, parce que bah, ils ont traduit, mais normalement c'est strength pour force, perception, E, C, I, A et L pour luck. C'est le spécial. Voilà, ça va définir tes attributs de base.
Et ensuite, à tes compétences, voilà, à quel point tu es bon en arme à feu, à quel point tu vas être bon en arme, en arme à corps, selon l'équipement que tu portes et les bonus que tu vas avoir, il va y avoir des petits plus à côté pour te dire que tu es plus fort que ce que tu ne devrais l'être. T'as les armes à énergie, le crocheta, les explosifs, le discours, la discrétion, la main nue, etc., etc. Ensuite, t'as tes aptitudes, ce qui va faire évoluer un petit peu ton perso ou non. Par exemple, je gagne des points de perception quand je porte des lunettes, mais tant que je n'en porte pas, ma perception est diminuée de 2. Et après, tu as des informations particulières sur le personnage, ton inventaire. Tu as ensuite tes quêtes et tout, donc par exemple la carte du monde, avec la possibilité de se déplacer vers les points que tu as déjà explorés, avec tes quêtes, la radio que tu peux écouter, etc. Voilà. Et en fait, encore une fois, c'est des jeux fascinants si tu peux apprécier l'exploration, le fait de découvrir des nouveaux lieux, et découvrir de nouvelles histoires dans ces nouveaux lieux, devoir faire des choix. Par exemple, dans le Fallout 4, je crois qu'il y a une bombe au-dessus d'une... Il est où ? C'est, je le vois. En fait, c'est un jeu où il faut partir du principe que tu racontes, en quelque sorte, l'histoire de ton perso, c'est toi qui le crée, ce perso. C'est dans Fallout 3, Megaton, la bombe qu'on peut ou non faire passer. Merci beaucoup pour la précision, comme je dis, je suis incapable de faire la différence entre les épisodes. Et j'ai jamais fini le 3, donc on se souvient plus. J'ai juste fait le 4. Je me souviens plus exactement de ce qui se passe, comment ça se passe. J'ai quelques lignes générales, mais c'est des jeux qui sont très appréciables en termes d'ambiance. Et coucou Seng, comment as-tu? Mais... J'ai l'impression de gâcher toutes mes balles tellement ça tire à côté leur truc là. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur le jeu. J'aimerais bien réussir à en éliminer quelques-uns sans... Oui, pas vrai les airs. Ils savent encore que je suis là, donc je sais pas trop ce qu'ils font. Oh, la balle qui lui passe à travers encore. Elle a intérêt à me rapporter des points, cette quête. Je suis sûr qu'il en reste un. Oh, il y a un coffre là-haut. Le mec qui cherche à m'arnaquer et est en train de combattre un gecko. Justement. Il est en train de foncer là. Pour me rejoindre.
C'est quoi ce truc? Ah, c'est un piège, c'est comme ça qu'il s'est tué. Il arrive, Jean Gérard, là? Il y a un abri qui s'était fait bouffer ici. Parce qu'on sait ce qui se passe maintenant, donc ça serait bien qu'on arrive à le défoncer. You. Ah, c'était très très cool, Calicius. J'ai beaucoup aimé. Ah, désolé t'es voilà. Pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les geckos. Maintenant, je peux aller récupérer ce stock là-haut, après en avoir fini avec vous. Je tiens, ça y est. Tiens, je mets pas une seule balle dedans. Pourtant, je suis bon en arme à feu, hein. J'ai installé aucun mode à une époque, j'en avais installé en deux pour jouer avec une camarade, mais non. Go grenade. Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir. Ça te plaît? Putain, il est tellement, tellement long. En fait, le problème, c'est qu'ils étaient pas très doués pour faire des FPS à l'époque. J'entends les travaux, là. Par contre, là, je les entends bien. Je sais pas si vous entendez beaucoup quand je parle, mais... J'avais pas fait gaffe, j'étais tellement concentré dans le jeu. Ouais, donc forcément, le jeu a vieilli, les gameplay, on a eu l'occasion de découvrir de nouveaux trucs, mais ça reste très sympathique. Oui, parce que je suis avec une arme qui est plus rapide. Enfin, je suis avec une arme qui est beaucoup plus lente, j'ai un fusil, faut remettre une balle à l'intérieur à chaque fois, en gros. Ça me plaît de prendre des balles, ah oui, encore! Donne-moi en plus! Non, parce que tous mes points sont pas faits au corps à corps. Si on regarde mon perso, comment il est bâti, en termes de stats et de compétences, tu vois, je suis arme à feu 33, arme de corps à corps 13, en termes de points. Alors, si tu entends un ventilo, c'est parce que au loin. Alors, si tu entends un vvvv, c'est les travaux, les perceuses, etc. Parce que j'ai un concerto de perceuses tous les jours depuis 2020 autour de chez moi. Donc, si tu entends un bruit pendant que je parle, en fait, c'est que malgré les filtres et les machins qui sont installés, tu entends un petit peu les perceuses à l'extérieur. Mais il est possible aussi que ce que tu entends, c'est la clim. Si tu entends un vvvv en fond, ça vient de là. Mais il y a plus de chances que tu entends les bruits de perceuses, en fait, autour, qui sont très atténués par les filtres déjà installés, plutôt que le reste, voilà. Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir... Allez, allez. Tête qui roule, Namas Pamus. Il est vide. Au revoir. Mais ne m'oublie jamais, au revoir. Ta-na-na-na-na-na-na. Ouais, non, Calicius, sinon je serais heureux. Pense à moi comme je te save. Ouais, le chanceux, il a fallu appeler, il y a la clim. J'ai même pas gagné assez de points pour que. Qu'en effet soit véritablement intéressant. Je suis à combien là de points de... Oh, il me manque tellement peu de points. Faut que je trouve des choses à tuer. Lever là, mais j'essaye, mais ça me frustre tellement ce truc de l'utiliser. Genre j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'utilise, il met toutes les balles à côté. Et je me dis, mais c'est... J'ai demandé au jeu de viser à ma place. Du coup, tu mets pas toutes mes balles à côté. Moi, je suis sûr qu'en tirant à la main, j'aurais mis moins de balles à côté. Ce qui est faux, hein. Mais. De quoi, 16931? Ah, pour le nombre de follow? Oui, mais ça veut pas dire grand chose de nos jours, le nombre de follow. Il y a parmi vous des gens qui ont plusieurs comptes. Donc, qui trichent un peu sur, à ce niveau-là.
Et ça là ou ça? Du coup, c'est quoi que t'appelles le réticule de visée? Point, 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 point. Y'a quoi par là? Je suis pas en très grande forme quand même. Bonjour, vous auriez pas un gecko pour moi? Faut que je monte de niveau. J'aimerais bien avoir assez de points en montant de niveau pour pouvoir convaincre les 2-3 gugus qui me restent en ville là. Non? Il n'y a personne aux alentours pour l'instant. Et du coup celui-ci me fait peur d'épisode parce que je le trouve vide visuellement, mais vide. Et d'aller faire un œil à mon tour. Peut-être le moment en effet. Ça rapporte que 5 d'XP quoi. Alors qu'il me faudrait 30, 40, 50 d'XP. Putain, je commence à avoir froid tellement la clim elle est. La clim elle est bon. On est à combien là? On est toujours à 26,5 pourtant d'après lui. Hein. Je pense que je vais arrêter la clim là et je vais refermer la porte pour éviter qu'on entende trop les travaux. Oh ouais, la touche quand même était très cool. Avenat. Et attends, Kalika, tu m'as. Merci pour le renseignement. Elle a fermé. J'ai l'impression que j'aurais beau être dessus, je pourrais pas la tuer. J'étais pas dessus, je l'ai tué. C'est bien, ces bestioles-là, elles me coûtent une balle. Pas de prise de tête. Souffrance sous peu. Ça ferait sacré trop dans le décor, non? Alors, non, Henri, du coup, j'avais dit bonjour. Edificatore aussi, Mama aussi, Cinder aussi. Encore une fois, merci pour le follow, Mama. Cinder, c'est bon. Coucou, Calicius, coucou, coucou, Spipers, Kayla, Seng et Avnet. Là, je suis juste en train d'essayer de marquer des points d'expérience pour pouvoir monter de niveau. Et essayer de passer à 25. Je sais pas si j'aurai assez de points pour passer à 25. Sur une catégorie, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression que tout est lourd, que tout est lent quand je joue à jeu.
452 sur 450, ça va être d'une longueur de montée de niveau. Bon, en fait, ils m'ont demandé de convaincre les villageois et je suis à 21 sur 25 pour la dynamite et 21 sur 25, je crois, pour le troc. Et je me dis, si j'arrive à monter de niveau, je peux avoir 25 et 25. Ce qui fait que j'arriverai à convaincre les dernières personnes restantes. Je pense pas qu'elles soient forcément utiles, tu vois, mais... Je pourrais passer le gecko que j'ai croisé. On l'a vu partir par là, il a dû partir se coucher, le pauvre. Ah, enfin, on est passé au 26-4. On était à 30 tout à l'heure. J'entendais un... Parce que j'arrive pas d'appuyer sur la touche qui va de repérer les ennemis de loin. Parce que je suis bigleux et je les vois pas pour sinon. Un soldat. Quand je vois comment j'ai galéré contre un seul homme, on va éviter. Hein. Ouais, mais pour l'instant ça va, je le vis bien. C'est-à-dire que le jeu me fait un peu peur, mais je le vis encore à peu près bien. Je pense que j'allais couper la clim. Donc ça coûte vachement cher quand même ce truc-là. Attendez, hop, hop, hop. Oh. Il fait tellement bon, c'est 3-4 degrés de moins. C'est chiant à les avoir par contre, les 3-4 degrés. Ça coûte cher les 3-4 degrés, je trouve. Et d'ailleurs que ma grand-mère, elle a une clim, c'est une vraie clim. Et qu'elle descend à 20 tous les étés, tranquille. Et bon courage du coup, Kirin. Ouais, non, on l'a pas dans la chambre, on l'a que dans cette pièce-là. La dernière, je l'ai acheté parce que, en fait, à la base, j'ai juste un ventilo. D'ailleurs que je vais réactiver. Je me débrouille avec le ventilo. Mais l'année dernière, en fait, j'ai commencé à perdre la peau au bout des orteils, au bout des doigts, à avoir des plaques rouges sur le corps et je chiais du sang littéralement. Donc j'ai fait ok, c'est bon. Vu que la chaleur me met mal et que je me sens pas bien avec la chaleur, on va voir si c'est lié à ça et on va acheter une clim. Et j'ai acheté la clim, je l'ai mis dans la pièce de stream là, enfin, dans le salon du coup pour nous. Et en fait, ça allait assez vite mieux dès qu'on est des pros passés en dessous des 30 degrés. Du coup, je l'aime bien ma clim maintenant. C'est pour ça, là, quand j'ai vu qu'on est passé, qu'on a atteint les 30, c'est pour ça que j'ai essayé de l'activer. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le même état qu'à la dernière, surtout là en ce moment où je suis bien fatigué déjà. Donc ouais, ça m'a coûté cher, mais... les radiations ont été de rester ici. J'en ai vu une là-bas de bestiole. Ah non, clairement. Putain, je l'ai vu là-bas, la bestiole. Elle me fuit. Ah, là-bas. Je tiens pas bon au FPS, mais alors là... Oh, je me sens merdique avec ce type de jeu, là, comme ça. Il est passé où ?
Putain, il l'a pas touché. Ouais, mais les 26 degrés, je trouve ça viable, encore. Là, il fait 26. Les 26, je trouve ça correct. C'est-à-dire que c'est trop chaud, mais ça me va. C'est-à-dire que je suis pas dans un état de mal-être ou c'est pas invivable, tu vois. Envie de m'avancer étant donné mon niveau. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai, comme je te dis, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai dit vaut mieux claquer 200 € et que j'évite de me rendre malade. Parce que qu'est-ce qu'il va me dire le médecin? Il me dit qu'il faut que vous me mettiez au frais. Bah oui, mais bon, je vais pas quand même payer une clim, vous allez la payer à ma place. Bonsoir, ce live est condamné pour déviance, veuillez circuler s'il vous plaît. Ça a réglé le problème que j'ai une clim, donc c'est que c'était bien la chaleur. On sera arrivé plus ou moins au même résultat, quoi. Et coucou Duncan, comment vas-tu aussi? Bah comme si on n'a pas eu de 3 degrés, on était à 30, on est descendu à 26. Et ça va remonter assez rapidement maintenant, mais au moins, moi je me sens pas vraiment mal. Tu vois, j'ai de la fatigue, j'ai mal à la tête, tout ça, mais ça va, quoi. C'est pas... J'ai pas trop de réactions pour l'instant. Je sais pas comment on va plus ça, hypodermique, ou enfin au niveau de la peau, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que, comme je te dis, j'essaie surtout de... C'est par là qu'il fallait que j'évite d'aller. J'essaie surtout, pour l'instant, de monter un niveau. Juste un niveau. Pour avoir les points, je sais pas combien je gagnerai de points. C'est 456 ou 550. On gagne 5 à chaque fois qu'on tue une bestiole, il n'y a pas de bestiole aux alentours, quoi. J'aurais bien aimé essayer de convaincre les deux ou trois qui me restent. J'ai pas le niveau. Je suis pas à 25 assez partout. Bah jusqu'à présent, je m'étais toujours dit c'est bon, ça passe. On n'avait jamais vraiment passé la barre des 30 avant l'année dernière dans l'appartement. Mais je pense savoir pourquoi cette année on l'a passé. Hein. Avec tous les travaux, tout le béton qu'il y a autour en ce moment et tout. Alors qu'avant, on avait des arbres derrière. C'était pas une forêt, mais il y avait. Il y avait de la végétation, quoi. Du coup, je pense que la végétation absorbait pas mal certaines choses, ce qui fait qu'on avait une température qui était viable. Et qu'on ne dépassait jamais 30 degrés dans cet appart. Là, depuis qu'ils ont commencé à construire, c'est-à-dire depuis 2020, les températures montent de plus en plus haut chaque été. Je me souviens de gens, y compris à Clermont, qui me disaient qu'il faisait 30, 40 degrés chez eux. Moi, je suis là, bah, nous, on n'a pas encore passé le cap des 28. On est bien. Alors qu'on les atteint de plus en plus facilement. Encore des mouches bouffies là-haut, on va les voir. Même, ça sert à rien que c'est de faire ça, parce qu'en fait, si on gagne que 5 points par 5 points, faudrait que je tombe du coup sur 100 ennemis à peu de choses près. Ah non, pas 100. Bon, faudrait combien? 10 et 50. Bon, faudrait 20 ennemis. J'ai l'impression qu'elle est pas si grande la carte hein, sur un...
Non, mais je fais ça par passion. Rien d'autre que de la passion. Je voulais être sûr de ce que j'avais eu. Et je sais que je vais pas aller par là. Du coup. Il est apparu pour la passion ou pas, je sais plus. Et coucou de l'âme. Ouais, j'en passerai bien de la métal, hein. Je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je fais. Aïe. Mais j'ai horreur de ça, cette impression constante de pas mettre une seule balle dedans. Tu sais, c'est un truc que je trouve insupportable. T'as ton réticule qui est rouge. Oh punaise, non. Je vais pas sauvegarder entre temps. Heureusement que c'est des choses qui ont été améliorées dans le jeu suivant, genre de truc, parce que... Qu'est-ce que c'est insupportable de crever parce que t'as l'impression de mettre aucune balle dedans, quoi. Désolé pour l'arnaque, mais... Ça suffira ? J'ai pas bien pris la même quantité de vie, hein. Pense à moi comme je te sais. Ouais, mais le SVAV c'est encore plus frustrant pour moi. Parce que je me dis, le SVAV sur ordinateur, il est censé viser correctement. Et je vois que des fois il vise pire que moi le jeu. Et je suis là, mais putain, j'aime quand c'est plus efficace que moi l'ordinateur, tu vois. Donc, pense oui. À moi comme je te sais. Vous avez raison. Ah, j'ai pas pensé à sauvegarder le fail. C'est dommage. Et du coup, ça me frustre encore plus. Je me dis, bon, j'ai activé le système automatique. Il a tiré 4 balles. Il n'en a pas mis une seule dedans à bout portant. C'est bon, quoi. Non. Alors que je suis spécialisé en armes à feu, tu vois. Le jeu Avenat, ah, il a vieilli, hein. Il est pas au point. Ça, Starfield, ça va faire du bien quand il va sortir, parce que au niveau FPS, même le Fallout 4, il est pas non plus... Ou même Fallout 76, je trouve que le rendu est pas forcément au mieux de sa forme. Ouais, ça me rappelle le début de Morrowind. Morrowind, le mec qui dit « Vous êtes spécialisé dans les épées, il est temps d'acheter votre première arme. » « Oui, je suis spéciac, et je vais acheter une hache. » Donc, tous les ennemis que je tape, et ben je tape à côté. Bah oui, forcément, si dans un sens, t'as pris l'aspect épée et que derrière, tu fais que taper à la hache, et ben ça marche pas très bien. Hein? C'est logique. Si t'es électricien, t'es pas plombier. Ouais, non, j'ai horreur de ça aussi. Vraiment, honnête. C'est pas un truc qui me plaît. Après, je veux bien croire que les radiations, les effets des conséquences et les machins, mais non. J'aime bien quand il y a la récompense. Une balle dans une tête, c'est une balle dans une tête, ça fait... Et voilà, c'est tout. Ah, ça c'est pour le Easy Pit. Et là c'est pour le mec du magasin. C'est pour eux là que je voulais marquer des points supplémentaires. Mais tu y joues quand même. Ouais, je fais un effort.
dans le sens où j'essaye de faire face à mon incapacité à... T'as une belle dentition, toi. Ça va pas être pratique pour mâcher. Tu vas tomber sur les côtés tout le temps. Je sais plus ce que je voulais dire. En gros, ce jeu-là, j'ai mis très longtemps à l'essayer, puisque je démarre maintenant, alors que j'ai depuis hyper longtemps le jeu. Le truc, c'est que, ben, comme je dis, le décor ne me plaît pas. Et le gameplay est vieillot, en fait. C'est rigide, les combats. T'as des modes hein, pour améliorer ça, pour qu'ils soient beaucoup plus accessibles et beaucoup plus réalistes, forcément. Mais ouais, je suis pas fan de ce genre de choses. Après, l'histoire a l'air prenante, il y a d'avoir des trucs très cool et tout, donc... Hello. Hello. It's me. I was wondering if after all this year... J'ai plus les paroles. Vous voulez acheter quelque chose? Non. D'accord. J'aime bien la musique. Les trucs que je vends... Oui, bah, c'est ce qu'on me dit souvent, Red Fou 5 vient de dire plus ou moins la même chose, c'est que l'histoire de Fallout New Vegas paraît vraiment extraordinaire. Mais comme je disais, quand t'as découvert après les autres, comme Fallout 4 ou autre, et que le gameplay ça a été amélioré entre temps, t'as cette sensation de revenir dans un monde désagréable au niveau du gameplay. Ou 76, ça veut dire Warframe. Que ça charge vite. Après, le chargement irait sûrement plus vite sur mon PC si j'étais installé sur... Si j'étais installé sur un SSD. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Je sais pas comment je pourrais gagner de l'XP par hasard, toi. Et bonne chance. Tu vois, c'est à lui et au mec qui fallait que je parle de dynamite et tout. Alors, Avnet... Je me lasse extrêmement vite des jeux en 3D isométrique. Du coup, c'est pour ça que j'ai même pas essayé Fallout 1. Parce que la très grande majorité du temps, je m'ennuie à une vitesse folle sur les jeux en 3D isométrique. Et c'est dommage, tu vois. Et j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé Sacred, Dungeon Siege, j'ai essayé, comment ça s'appelle Neverwinter Night, Titan Quest, je sais plus que j'ai déjà cité. J'ai essayé Divinity Original Sin 2. Diablo, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais j'en ai essayé. Allez, il y a rien à faire. Même Papercut Mansion, où le style me plaît beaucoup, j'ai lâché. Je tiens pas sur le jeu. Sauvegarde. J'ai utilisé deux Steam Pack. Fatigue là, c'est impressionnant. Et ouais, 76. Mais je trouve le Fallout 4 et 76 plus agréable. Et là, quand je vois les présentations de Starfield, je me dis vivement le prochain Fallout.
Donc ils sont pas pour autant mauvais, hein, ces jeux-là. C'est juste moi qui vais râler parce que le gameplay me paraît plus agréable sur le 4 et le New Vegas, pas New Vegas, c'est le Sunset justement. Mais j'ai râlé pareil, hein, je râle parce que j'arrive pas à viser correctement. Je suis très mauvais pour ça. Hein. Mais tu vois, quand c'est moi qui tire et que je me rate, il y a une petite phrase dans le truc qui dit bah, t'es nul, qu'est-ce que je te dise. Bah, attends. J'ai vendu mon arme. Oui, qui arriveront en 2035 ou 2040. Mais il arrivera. Tant que je suis pas mort, j'ai une chance de le voir, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie? Tiens, les bestioles qui m'ont tué. Ah, Marv a un souci, qu'est-ce qui se passe? Ok, Marv, c'est déco. Après, il y en a bientôt un qui sort Fallout. Je crois qu'ils viennent pour moi ou pas là, ouais. Oh, y a pas une balle qui va dedans, quoi. Pas une seule. Mais en fait, c'est comme certains types d'environnement. C'est-à-dire que j'ai cette sensation... Regarde, il a tiré 4 balles, il a fait un point de dégâts. Et j'ai horreur de ça. Et bah alors, comment on fait là? Le jeu n'est pas apte à viser à ma place. Et ça me rend fou. Et merci Ricotopia, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et bon, on va essayer de s'éloigner, hein, parce qu'on voit bien ce que ça donne. Il va falloir que je me place de certains trucs. Tu sais, j'aimerais juste monter, j'aurais juste aimé monter d'un niveau pour se procurer la dynamite après. Auprès de Gérard là et persuadé de laisser le vider le stock de la boutique. Mais non.
qu'est-ce qu'il faut à côté de la ville de départ alors c'est un des ennemis les plus durs. Une belle quichade, ouais, je galère sur le jeu. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là. Ça veut dire que je suis pas bon. C'est surtout ça que ça veut dire. T'es déjà venu par ici, tiens. Oh là là, 1h20 que je joue, j'ai pas avancé du tout sur le jeu. Je le ressens moins dans le 4 que c'est embêtant ou dans le 76. Mais je râle pareil sur le fait de viser et tout, hein. Je galère quand même pas mal. Donc on avait vu à l'est qu'il y avait un rat de scorpion. À l'ouest, il y a des espèces de militaires. Bon bah je crois qu'on va être obligé de se passer de la dynamite et du reste. Hein. Alors que... Ah, quand même. Regarde, stat 447-450. Si j'avais réussi à marquer 50 points, enfin 100 points, on était bon. Y a pas une petite quête dans un coin qui dirait, hey, toi là-bas. Eh oui, Ricotopia. Les couleurs Aristine, oui, ça va. Moi, au nord-est, on est tombé sur un rat de scorpion. Le rat de scorpion m'a fait... Oh, il y a une croix. C'est la croix de Ternan. C'est pour la référence, bref. Et... Et du coup, ouais, je suis mauvais. Mais c'est vraiment des jeux à découvrir, les Fallout. Que ce soit le premier ou le deuxième, j'aimerais bien, tu vois, ne... Je pense qu'un jour, j'essaierai quand même en live de le faire, le 1 ou le 2. Juste pour essayer. J'ai peur de galérer énormément. Et en fait, de ressentir cette lassitude extrême très rapidement. Il y a 2-3 ennemis. C'est ça qu'on veut voir. Des sprouts. Viens là, je sais où tu te caches. Ah. Normalement, c'est censé être connecté, ça. Sauvegarde. Criver, c'est quoi criver? Ah, crever. Ouais, non, mais justement, j'ai mis un peu la clim, on est déjà remonté à 27 degrés depuis que je l'ai coupé. En fait, je suis bon en furtivité, normalement. Vas-y, il m'en manque encore plus que 17 et c'est bon. Y'a pas 17 coyotes là autour? Allez, faites un effort, les coyotes. Ouais mais ça c'est fou et je pense que je l'aurais pas non plus. Alors que j'aimerais bien, tu vois, m'intéresser à certains jeux. Comme je te le disais tout à l'heure, le... comment il s'appelle? Le... Sacré Titan de Quest, des jeux qui m'intéressaient, tu vois, en termes d'histoire et en termes de... Même Neverwinter Night me plaisait, Dungeon Siege, ça c'est des jeux qui me donnent envie. Mais c'est fini de tuer ces chiens là, c'est des coyotes, c'est pas des chiens, c'est pas pareil. Peut-être le prochain quand ils auront bien amélioré. Bah au pire tu peux attendre Fallout London, qui est un mode pour le 4. Qui va se passer à Londres. Et qui a l'air pas dégueulasse. Hein. Une cabane abandonnée. Être une femme, c'est le nom du bouquin. Et la lumière fut. Et il alluma la lumière et il vit que c'était bon.
Bonjour. Nous sommes la confrérie noire. Nous savons que vous avez tué quelqu'un dernièrement, et nous aimerions savoir si vous seriez en mesure de nous rejoindre. Dites oui. Ou dites non. Vous avez le choix. Mais sachez que dire non aura des conséquences. La mort, oui, on fait partie. Effectivement. Et bon, en fait, ça dépend à quel point on a goûté à de nouveaux trucs, à quel point on a été habitué aux anciens jeux. La nostalgie joue beaucoup, tu vois. Et par exemple, les jeux PlayStation 1, en général, en termes de gameplay, me dérangent moins. C'est une sulfurie. Sauvegarde. Ouais, ouais, j'ai vu que j'étais en train de mourir. Ok. C'est dangereux aussi, apparemment. Voilà. Si vous ne saviez pas, bah vous le savez. Tout ce que je veux, moi, c'est monter de niveau. Quoi, ça? C'est un panneau? C'est un panneau. Tu dis quoi? Ouais, non, je crois que c'était un Deathclaw, donc autrement dit une grosse bestiole. Les rats scorpions, ça va être pas Deathclaw. Mais du coup, oui, quand t'as pas connu les vieux jeux et que t'en as fait beaucoup de récents, t'as une attente par rapport à un gameplay et ça peut vite te frustrer de retomber sur quelque chose de plus vieux. Ouais, on est d'accord que ça, le dessin, c'est pas un rat scorpion. C'est un Deathclaw. Sans tromper de panneau, il n'y a que des rats de scorpions par ici. Un coyote! C'est exactement toi que je veux. Mais je me dis peut-être qu'un jour j'aurai quand même le courage d'essayer, mais j'y crois pas trop. J'ai essayé beaucoup trop de jeux, et en fait c'est vraiment pas parce qu'un jeu est bon, mauvais ou autre, c'est juste parce que c'est un type de vue qui ne me permet pas de garder ma concentration. Il y a eu des exceptions, comme Darksiders Genesis, mais en général... Bonjour. Mais au bout du compte, on se rend compte. De quoi? Pas compris qu'est-ce que tu veux. Sur ta porte? Mais pourquoi? Erreur, Urtica. Je savais bien que j'avais entendu un coyote.
Elle l'a eu. Ah, c'est long de monter l'expérience, là. Vraiment, je me dis si j'arrive à monter l'expérience. Je peux peut-être éventuellement faire des merveilles. En même temps, c'est pas cool. Rien, mais c'est... Mettons les choses au clair. Rien ne mérite des insultes. Mais c'est pas cool de laisser sa poubelle devant chez toi. Soit tu la descends aux ordures, soit tu la gardes dans ton appart, normalement. Tu fais pas le travail à moitié. Salut! Content de voir un visage amical? J'ai cru que vous étiez un raider. Je m'appelle Malcolm. Malcolm Holmes. Ça vous dirait de faire un peu de troc? J'ai besoin de quelques trucs de base et... Oh, laissez tomber. Je ne sais pas mentir. Autant vous dire la vérité, ça fait un moment que je vous suis. Je viens d'arriver. Et Ouais, mais tant que ce voisin soit disponible, tu lui donnes, il la descend à ce moment-là, tu le laisses pas s'attraîner dans le couloir. Oui, mais moi je t'avoue que je serais pas content non plus si tu laissais les poubelles dans le couloir. Quelle que soit ta difficulté à faire les choses. Ça fait... ça me dérange chez moi, du coup je le balance chez les autres. J'aime pas ça non plus. Ah non, mais je suis d'accord, eux n'ont pas agi bien non plus, hein. C'est pas normal d'agir comme ça. Ça a commencé assez innocemment. Je voyageais, comme d'habitude, et j'ai vu que vous ramassiez une de ces capsules à étoiles bleues. What? Vous n'avez pas réagi, alors je me suis dit que vous ne saviez pas sur quoi vous aviez mis la main. Mais quand est-ce que j'ai ramassé une capsule à étoiles bleues? Il fallait que je m'assure de vos réactions. Il y a pas mal de gens qui préfèrent tirer avant de discuter. Mais maintenant qu'on discute, je peux vous dire ce que je sais au sujet de ces capsules. Selon une vieille légende des terres dévastées, il existe quelque part un fabuleux trésor datant d'avant la guerre. Ces capsules avec une étoile bleue seraient la clé de ce trésor. On les appelle les étoiles de Sunset Sarsaparilla. Bah, qui c'est ça? Personne ne le sait. De l'argent, des armes, de l'eau. C'est ou c'était quelque chose de précieux. Et ça suffit pour motiver les gens. En fait, c'est pas normal qu'il t'a insulté, mais c'est pas normal non plus de laisser sa poubelle traîner dans le couloir. Comme je dis, ça fait vraiment personne qui se débarrasse des trucs qui la dérangent chez elle, mais ça la dérange pas d'emmerder les autres en le débarrassant chez eux, tu vois. Ou dans la partie commune. Mais, on est d'accord, c'est pas normal qu'il t'insulte. Non, j'ai laissé tomber il y a des années. C'est trop dangereux. Et même si je continuais, je vous dirais la même chose. Il y a des gens que le trésor a rendu fou et qui attaquent les étrangers simplement pour voir s'ils n'ont pas quelques capsules étoilées. Mais tu la laisses pas traîner dans le couloir tant que la personne vienne te voir. Qu'elle prenne tes poubelles et qu'elle les descende à la limite, mais tu laisses pas traîner ça dans le couloir. J'ai pas dit que t'étais impoli, mais c'est pas propre de laisser une poubelle dans un couloir. Surtout par cette chaleur, t'imagines? En fait, il est là le souci pour moi, Kitipipou, c'est que quelque chose qui te dérange chez toi, tu le déposes ailleurs. Donc ce n'est plus ton problème, c'est celui des autres, du coup. N'importe où. Le meilleur moyen d'en trouver, c'est sur des bouteilles pleines de Sunset Sarsaparilla. On pourrait croire qu'il n'en existe plus, mais de nouvelles bouteilles continuent à apparaître dans les machines. Des gens disent que c'est le vieux Festus qui fait ça, dans l'espoir que quelqu'un accumule assez de capsules pour mériter enfin le trésor. En dehors des bouteilles, il faut chercher.
On trouve des capsules un peu partout. Et ça vaut aussi pour celles qui portent une étoile. Du coup, j'écoute pas ce qu'il me raconte. Mais je suis d'accord qu'il lui pou, encore une fois, ils ont pas agi bien non plus. Ils ont pas à t'insulter pour ce que t'as fait, ils auraient pu sonner, t'expliquer, ou te demander pourquoi il y avait la poubelle à l'extérieur. T'es venu travailler à la maison, comment ça? Et c'est Naxril? J'ai compris qu'il parlait de capsule, mais du coup j'ai pas trop suivi le dialogue, j'ai pris mon pot de pâte tartiner, j'ai envie de grignoter un peu. Et Et du coup, oui, même s'ils savent que t'as des problèmes, moi j'aurais pas apprécié non plus. Surtout par cette chaleur. Ouais, mais il est toujours un peu à côté de la plaque, Sinkoru, quand il parle. On dit que le trésor est gardé par un type appelé Festus. C'est lui qui récupère les capsules à étoiles bleues. On dit aussi bizarre, qu'il monte la garde depuis mec, la guerre en attendant que quelqu'un vienne réclamer le trésor. Ça veut dire qu'il serait vraiment vieux. Mais j'ai rencontré des gens qui prétendaient l'avoir vu, et ce n'étaient pas des menteurs. La conversation se termine comme ça. Et salut Totoral Map, ça va bien et toi? Pas de problème. Enfin, si vous trouvez d'autres capsules, faites attention à un dénommé Alan Marx. Il a déjà tué des gens pour leur prendre leurs étoiles. Ouais, mais ça n'excuse rien, Kitty Pipou. En fait. Et les étoiles, et qu'elles sont très rares. Il faut les conserver si tu en trouves pour une quête. Et des fois, en buvant des Sunset Saparilla, tu peux tomber sur une capsule étoile. C'est peut-être comme ça que j'ai récupéré la mienne. Après, j'avais trouvé des boules de neige, un truc comme ça. Non, des boules à neige, pardon. Je sais pas ce que c'était, Taste of Heaven. C'est un jeu vidéo aussi? Ou c'est un jeu sur lequel tu vois, je sais plus, au Totoro Map. Comme je suis ultra fatigué, là, tout de suite, j'ai des soucis de mémoire et tout. Merci pour l'explication, vous êtes fou. Mais oui, ils auraient pu venir te voir, sonner à ta porte en t'expliquant que tu n'as pas à laisser tes poubelles dans le couloir et que si tu ne peux pas les jeter pour l'instant, bah, tu les gardes chez toi jusqu'à ce qu'il soit possible de les jeter. Ou alors que tu appelles un voisin et que tu lui dis « Écoutez, est-ce que vous pourriez aller descendre mes poubelles? Je ne peux pas descendre à cause de la panne d'ascenseur. » Et du coup, comme tu me dis qu'un voisin devait venir les chercher, ça veut dire que tu en as déjà parlé et qu'ils auraient dû venir s'en occuper, mais tu aurais pu attendre qu'il arrive pour les récupérer et ensuite qu'il aille les jeter. Pas les laisser à l'abandon comme ça. Il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Ouais, j'ai pas la mémoire là, franchement. Hop, une dernière cuillère et je m'arrête. Hop là. Mais là après, bon, il fait chaud. On est tous déjà à cran. Tu rentres enfin chez toi. Ça pue dans tout le couloir parce que une personne a laissé sa poubelle dans le couloir. Je serais énervé aussi, hein. Oui, mais normalement, t'aurais pas dû la sortir. Et c'était aussi à toi de vérifier si elle était encore là ou pas.
Tac. Je sais pas du tout ce que je fais, où je vais depuis tout à l'heure. Pas dans le sens où je cherche juste des ennemis, hein, donc pas dans le sens où... Attends, mais j'étais déjà venu ici, non? Ah ouais, je suis reparti au sud-est, là. Toi, tu l'as déposé, en fait, Kitty Pipou. C'est un peu comme si quelqu'un venait chier au milieu du couloir de l'immeuble et disait que il avait pas pu se retenir, qu'il était malade, que machin, et que du coup, en fait, tu te dis, bah ouais, mais moi j'attendais que quelqu'un ramasse, en fait, je suis rentré chez moi. Parce que, voilà. Bon, ça, j'y suis déjà rentré. Voilà, que tu la sortes à ce moment-là. Enfin, pas que tu la sortes, mais que tu la passes directement à la main. Et là-haut tout à l'heure, j'entends un... J'ai cru entendre un coyote. En tout cas, c'est cool qu'ils aient réparé l'ascenseur. Il est où le coyote? Putain, il n'y a pas un... Tu sais, j'ai l'impression que dans plein de jeux, tu tombes sur des ennemis tous les deux pas. Le mec qui s'obstine, je suis chiant, hein, à vouloir absolument tenter de récupérer ennemi ou ami, ça. C'est un gars poudrier, ça? C'est qui, ça? Si un représentant de la loi vient me chercher, il m'aura pas facilement. Ça peut être cool, ça. Oui, mais c'est pas civilisé de laisser sa poubelle devant sa porte, alors que tu peux la garder chez toi. Ça ne l'est pas non plus, en fait. Enfin, de mon point de vue, ça ne l'est pas. Et je suis paumé, j'en ai marre d'avoir des blancs continuellement là. Bro, c'est un équivalent de brother, bros, c'est un frérot quoi, un peu pareil, camarade, pote, poteau, mate. Enfin, du moins, je peux me tromper, hein. Vous êtes fou, tu me corriges. Doucement, s'il te plaît. Edificatore. Oui, mais en l'occurrence, il n'est pas censé non plus avoir besoin de mots, puisque quelqu'un s'était engagé à la descendre. Donc, quelqu'un était au courant qu'il fallait la prendre. Et coucou, Marie-Gorie. Ouais, non, mais c'est désagréable, je dis pas le contraire. Mais c'est les deux actions sont désagréables, Kitty Pipou, en fait, je trouve. Et je me dis, je serais quelqu'un qui sort dans le couloir, qui sent la poubelle, qui voit que quelqu'un a eu l'incivilité de poser sa poubelle dans le couloir au lieu d'aller l'acheter, ou de la garder chez lui parce qu'il ne peut pas l'acheter.
Je t'avoue que je vis vraiment mal moi aussi au matin de sortir, encore plus si ça finit par attirer des moucherons ou salir le sol ou genre de choses, tu vois. Donc, et coucou Ace Gaming, comment vas-tu? Bon, si je sais, ça y est, ce que je voulais faire. Je voulais porter l'armure de cuir. Ah ouais, mais en fait, ça change, c'est tout, quoi. Mais j'ai un SD avec ça, c'est quand même mieux. Par contre, c'est lourd. C'était plus joli avec le... It's raining kish. On va se regarder. Hallelujah, it's a raining kish. Ooh yeah, tu du du dum dum, tu du du tu du 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 dum, a ta du 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 du. Donc ouais, c'est un raté, ça nécessitait pas d'insultes. Moi, tu sauras que la prochaine fois, faut pas faire comme ça. Et merci, Marguerite. I'm back. Ben, tu peux essayer de laisser un mot sur ta porte aussi, tu vois, en disant j'ai besoin que quelqu'un sorte ma poubelle parce que j'ai un handicap et là malheureusement je ne peux pas descendre avec l'ascenseur qui est en panne. Est-ce que vous pourriez me rendre service? N'hésitez pas à sonner si vous la récupérez. Ou même à le paguer quelqu'un qui passe devant chez toi. S'il vous plaît, vous pouvez me rendre un service, je peux pas descendre. Si tu montres que t'as une béquille, une canne. Les gens savent bien que l'ascenseur est en panne aussi, tu vois. Alors, une quiche. Et donc, quel pseudo formidable. Vas-y, c'est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Et du coup, tu es mes gens, quiche. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Mais normalement, oui, t'es une quiche. Déjà. Donc, il y a des chances. Bref, je tourne en rond, je suis désolé, c'est la fatigue. Attends, il y a un animal là-haut. Parfait. Merci. Donc, bon, c'est chiant, c'est pas agréable, c'est une erreur, comme on dit, ça arrive. Mais effectivement, un petit mot aurait peut-être changé les choses, mais normalement, il n'y aurait pas eu besoin de mots, puisque là, une personne était déjà au courant. Non. Non, non, ça rend les choses compliquées quand même à utiliser. Normalement, je les vois, t'es censé pouvoir les utiliser, quiche. Je crois. C'est-à-dire que si vous les utilisez dans mon chat, normalement, je suis censé, moi, les voir de mon côté. Parce que j'utilise un chat à part. Bah là, je vois une espèce de chien. De gauche, je sais pas quoi, là. Bon, il n'y a pas un des ennemis. Je crois que j'y arriverai jamais. Hein. Faut que j'abandonne de vouloir absolument. Oh, 487, 550. Finalement, c'est pas si loin. Hein. Faut juste que j'arrive à tuer 2-3 bestioles de plus et ça devrait être bon. Non, attends. Il m'en faut 10 des bestioles en plus. Voilà, j'utilise le chat de Durs, le tweet chat. Et normalement, les icônes de Better TV ou. Je sais comment ça s'appelle, sont fonctionnels. Moi, je les vois. Je cherche une bestiole. 10 bestioles, s'il vous plaît. Y'a personne aux alentours. Et en plus, là, on va finir par casser. Ça va, t'as bien dormi, Marie-Gorie? C'est bien passé à traite ce matin? Poudrier. Si un représentant de la loi vient me chercher, tu m'auras pas facilement. T'inquiète, on n'a pas besoin de représentant de la loi pour te tuer.
Par contre, je pense que les rails, là, elles sont un peu inadaptées. T'imagines, t'arrives à fond, t'as le train qui décolle, ratterrit sur les rails, ou ne ratterrit pas sur les rails, d'ailleurs. Et re-seg. Un peu dur, mais ça roule. Oh, c'est quoi ce bâtiment ? Ah ouais, mais ils ont une sacrée base. En fait, plus j'avance et je me dis que je préférerais qu'ils soient... Je préférerais quand même monter de niveau. Parce que là, je me dis qu'on va douiller. Hein, si jamais ils attaquent. Non, il vieillit pas forcément très bien. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y intéresser. D'autant plus parce que l'environnement me plaît pas. Message de Poudrier. Ben, tu as laissé ta poubelle, Kitififou. Donc, c'est un acte que t'as fait, les gens vont te juger pour cet acte. Le mot aurait pas été là, les gens t'auraient tout jugé comme quelqu'un de crade qui a mis sa poubelle devant sa porte pour ne pas aller l'acheter. Ça dépend de la situation qui te vit pour en fait. Ah voilà, je pense que ça t'aura marqué, oui. Bah justement, je suis pas fan généralement des déserts, des trucs arides comme ça. Enfin, beaucoup disent que c'est le meilleur Fallout 3D, qu'apparemment le meilleur ce serait le 2. Le meilleur tout épisode confondu. Bah en fait, il a beaucoup d'améliorations, le 4, je suis bien d'accord, et je le trouve plus accessible, plus casual, justement. Mais oui, voilà, on est d'accord que cette réaction n'est pas saine non plus. Le message indique que c'est un des types du Nord cherche à s'organiser. On commence à se dire que c'est une bonne idée, il faut partager les ressources si on veut survivre. Les voyageurs sont nombreux, c'est clair, s'ils se mettent à être malins, on a intérêt à en faire autant. C'est quoi ça? Oh bah voilà, j'ai de la dynamite. Oh, un crâne, j'adore ces trucs. Oh là là. Oh! J'aime bien les jouer. Ça va plus ou moins vite, hein, normalement. Et coucou Elzitron. Je sais pas, je sais que je l'ai bien aimé, moi. Et après, en général, je suis pas fan du post-apo, donc... c'est juste que j'aime beaucoup les aventures FPS. Cette liberté qui nous est laissée et tout. J'aime énormément ça. Je ferais mieux de se garder avant de remourir une nouvelle fois. Non mais faut pas chercher Kitty. Syncorio est très souvent à côté de la plaque. Ou du moins, ce qu'il répond au niveau interprétation est à côté de la plaque. Peut-être que pour lui, ça a la valeur. Et encore une fois, je suis désolé de parler comme ça, Syncorio, hein, mais la plupart du temps, on peut pas vraiment communiquer avec toi. Donc, ça m'oblige à parler de toi quelquefois à troisième personne parce que je vais pas laisser les gens... se retrouver dans l'impasse avec toi continuellement, vaut mieux expliquer. Post-apo. Après, je pense que le côté années 50, 30, etc., là, des véhicules et l'ambiance générale dans le post-apo me plaît plus. Tu vois, par exemple, du The Last of Us, ça me parlera moins, en général, que l'ambiance qu'ils ont gardée dans celui-ci. Quand celui-ci est petit, ça c'est un petit. En sauvegarde, il y en a plusieurs, je vais tenter. Je vais mourir, mais je vais tenter.
Oh, je l'ai eu. Plus 10 XP. Oh, je l'ai eu aussi. Non, ah non. Tiens, défoncez la bestiole. Ah bon, 2073. Attends. Du coup, c'est pour ça que je disais que j'ai très très hâte d'avoir un nouvel épisode Fallout là. Ou même le DLC. Ça fait plein de bruit. Donnez-moi des points! On a combien là? Oh, plus qu'un. Et on va l'avoir. Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti le 4, mais c'est vrai qu'il me semble vieux maintenant. On est d'accord, c'est dégueulasse comme bestiole. Moi qui n'aime pas spécialement les insectes, il me donne vraiment pas envie d'aller voir plus loin. Et bon, ce truc c'est encore pire dans le 4 et tout. Jeune là où elle a pas l'air de se déplacer, donc je doute que ce soit ça. 2015. Putain, ça commence à se faire vieux. Hein. Après, ils ont déjà annoncé hein, qu'il y aura un Fallout après le nouvel Elder Scroll. Mais étant donné que dans le nouvel Elder Scroll n'est pas prévu avant 2028, 2029, d'après ce qu'ils ont dit dernièrement, hein, voilà. Après, on va avoir Starfield entre les deux. Donc, Starfield, j'avoue qu'on va peut-être y jouer encore assez longtemps pour qu'on soit bien. Il y a Cabri qui vient de lancer du coup sur l'autopsie d'une d'une Sega Multiméga, je sais pas ce que c'est, 1000€ la bête, ah ouais c'est violent. Et c'est pas l'heure qui vient de lancer pour son cours d'anglais. Et après qui partira peut-être sur Zelda ou autre, à voir. Je vous partage les deux. Et du coup, ça va me calmer le fait que Starfield arrive, le temps que je nettoie déjà Starfield. Mais point. Niveau sup. Alors. Ah mince, je suis à 13. Croc, il me manque 4 points. Faut que je sois là. Il reste encore. Oh, il est tout petit le pauvre. Bon, il s'est pris une balle et il est mort. C'est triste quand même de les tuer. Bon, normalement, là, je suis en mesure. Partenaire de Bright. Oh non. Allons, rentre. Attends, il y en a un autre. En face. J'ai peur que ce soit un autre type de bestiole, on va voir. Alors j'ai pas regardé la nouvelle démo hein, pour l'instant. Et pour le fait de le faire, ils ont enlevé la possibilité de le streamer et être payé pour. Mais vu que c'est des paliers de 25 pour le crochetage et le hacking, je conseille de les monter genre au moins 50 si ce n'est plus. Pour être tranquille par la suite.
Bah je me dis que j'étais déjà pas mal haut pour tout ça. Là c'est juste que je suis un peu trop borné et j'aimerais bien essayer d'accomplir mes missions. Là je crois que j'ai un magazine qui a permis de gagner quelques points en dynamite et comme ça j'aurais rameuté tout le village pour faire la guerre. Et je serais content. Bah, donc là je suis content. J'ai réussi à rassembler tout le monde, ou du moins je n'ai pas encore réussi mais je pense y arriver. Peut-être que ça va bien se passer. Ça se trouve ils vont tous crever parce que je les aurais tous rameutés. Mais je me dis plus il y a de gens qui participent, moins il y aura de morts, plus je serai content. Parce que bon c'est tout ce qui va se passer, hein. Je vais essayer de tirer sur des trucs, ça va mal terminer. On attaque! Et là, je vais tirer sur le genre ou sur le qu'il fallait pas, et voilà. Et coucou Saturne. Deux portables, genre baladeur, qui lient les méga CD et les compact disques avec une sortie casque, comme un baladeur quand tu attends dans le bus. Sérieux? Ouais, en fait, j'ai trop attendu. Faudrait que directement je réponde. Et en même temps, j'ai trop attendu, mais la fois précédente, c'était pour un jeu mock-up, là, je vous l'avais montré, un jeu de nettoyage un peu comme Power Wash. Et j'ai fait 4 propositions, ils ont répondu à aucune. Alors que c'est eux qui m'ont invité à faire une proposition de paiement, tu vois. Et c'est-à-dire que j'ai divisé par 3 les factures qu'on nous conseille de faire. Donc c'est 3 fois moins cher que les prix qu'on nous conseille d'appliquer pour la demande. Et ils m'ont jamais répondu. Ouais. Mais définitivement, ok, vous êtes fou. Faut que je regarde ce que j'ai du coup. Objet. J'ai mal lu. Il me manque les explosifs. Quoi, non, cette information était intéressante en général. Voilà, je suis quand même pas mal insistant quand il y a vraiment un truc qui me dérange et je t'aurais déjà répondu que j'aurais préféré que t'évites. Mais non, ça me va là pour l'instant. Mojave, le désert du Mojave, oui, Saturne. Vous savez, pardon, vous avez la même couleur. Et votre pseudo commence pareil, donc. Donc non, j'ai pas. Ils ont supprimé la possibilité de les faire, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que... Là, tu vois, il faudrait que d'ici la fin de l'année, je prenne des bonnes habitudes de faire des stories, de partager. D'autant plus que pendant la conférence à TwitchCon, la dame expliquait, la dame qui parlait de la relation presse, etc., avec les clientèles, qu'il était très important de mettre à jour, d'avoir des réseaux sociaux quand on fait les demandes de clés, qui sont mis à jour régulièrement, et que ça pouvait faire une différence entre une clé envoyée et un sponsoring proposé, par exemple. Donc, et un sponsoring, c'est un truc pour lequel on est payé. Donc, ce qu'il faudrait, je sais pas, j'ai toujours peur de gaver, mais je vois mes collègues qui le font, donc je me dis peut-être que ce serait intéressant de le faire. C'est-à-dire, essayer de prendre, faire une mini-story, un truc à chaque fois que je change de jeu, tu vois, par exemple, dans la nuit, ou d'activité. En disant, et là, on passe au dessin, je vois plein de collègues qui, à chaque fois qu'ils lancent un stream, le disent, ou partagent juste un truc, une pensée, un truc, et je me dis, c'est déjà surchargé. Et j'ai pas envie de surcharger plus, mais d'un autre côté. Mes armes vont casser. Bah en fait, là pour le coup,
C'est particulier, en fait, je pense. C'est que... J'imagine que je suis pas arrivé assez vite. Tu vois, et que la page a mis du temps à être supprimée. Et... qu'elle allait se casser bientôt. Et donc coucou Miel, excuse-moi, Saturn, Elzitron, Seg, Kish, Ace, So Gaming, coucou encore, merci pour les follow, hein, que ce soit Kish ou Ace, So Gaming. Et Marie Gori, Toto Roll Mop, au cas où j'aurais raté quelqu'un encore. Et le truc c'est que... moi si ça me déplaît de pas avoir de réponse, surtout quand c'est les gens qui invitent à ce qu'on fasse des propositions. Mais pour le coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme c'est un truc de rémunération et que c'est à nous de proposer un paiement, ils ont reçu énormément de propositions d'un coup. 2,21 gigawatts. Et sur le site, tu dois cliquer sur oui, non ou marchander, en gros, le truc. Et je pense qu'ils ont fait comme moi, j'ai énormément de retard sur mes mails. Mais genre vraiment, j'ai peut-être 2 ou 3 semaines de retard sur mes mails. En termes de réponse. Et j'aime pas ça, j'aimerais bien être plus stable là-dessus et... Et tout, mais là, ces derniers temps, ça a été un peu la course. Et merci du coup à Datral pour le resub. Ah, mais c'est Cheyenne, je vais pas tirer sur Cheyenne quand même. Bon, attends. Du coup, ayant maintenant augmenté mon niveau de troc, je devrais pouvoir être en mesure de demander à Jean-Gérard de nous aider pour l'attaque. Encore une fois, il n'y a pas de souci avec le fait que vous ne disiez pas bonjour, de mon point de vue. Je veux dire, moi-même, je dis très rarement bonjour quand j'arrive sur un stream, parce que j'ai l'impression que j'ouvre une parenthèse en disant « Je suis là, je suis disponible à discuter », alors que c'est pas le cas, quoi. Bon, en fait, je sais pas quand est-ce que j'ai répondu, parce que j'ai pas eu de message d'information. J'ai juste vu, en arrivant sur le site, que j'avais cette option-là qui m'était offerte. J'ai pas eu de notification au moment où il a mis en place. Là, je sais pas si ça a planté, attends, on va se regarder. Mais tu vois, par exemple... j'aurais peut-être pas dû faire ça. Moi, je vais planter le jeu. Mais en fait, c'est leur kit, la plateforme en question. Et sur leur kit, t'as ce qu'on appelle les quests, qui sont ici. Et on peut voir que j'ai plusieurs opportunités de présentation de jeu. Tu vois, t'as les Red Shadow Legends, t'as des trucs comme ça. Et voilà, par exemple, là, t'as Ravenbound, le jeu du bus. Ça va être chiant ce bruit, je sens. Tu vois, Hotel Renovator, on y avait joué. Et si je vais sur Hotel Renovator, alors peut-être que là maintenant c'est terminé, hein, depuis. Il reste 10 jours. Mais apparemment, j'ai pas ce qu'il faut, ce qu'il faudrait 200 de viewers moyens. Là, 200, c'est un palier. Hein. Quand on arrive à 200 viewers moyens, c'est cool. Mais on n'y est pas. Du tout. Et en fait, on propose un prix et le temps que va durer le stream. En général. Tu vois. Et du coup, faut que je vienne ici et que je regarde. Là, voilà, si j'avais eu 200 personnes en moyenne, j'aurais pu leur proposer un tarif. Et en fait, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit que je voulais faire un Twitch stream, prix, et j'ai envoyé l'offre. Tu vois. Et j'ai dû faire ça 4 ou 5 fois, mais voilà. Et c'était pareil pour Aloft. Aloft est arrivé là-dedans. Là, ça veut dire que c'est bon. Tu vois, lui, je l'ai passé. Mais je sais pas s'il y a Europe. Il y a Europe, par exemple, pour celui-ci. Gunsmith Simulator, etc. Et ça fonctionne comme ça, sur ce site-là. Il est chiant, ce bruit. Hein. Voilà, donc j'ai vu passer à Loft. J'ai vu que j'avais les catégories qu'il fallait. Donc j'ai répondu. Et eux, ils m'ont jamais répondu derrière. Salut. Vous voulez acheter quelque chose? Encore cette histoire? D'accord, j'ai compris. Je peux fournir des armures en cuir et quelques munitions. J'espère que ça en vaudra la peine. Et je garderai le magasin pendant l'opération. Mon affaire passe en premier, vous comprenez? D'accord. Bandage, non. Quelque chose que je lui ai revendu qui sert à rien.
Pas de carreau, Lucky. Ah, c'est pour les cartes. Ouais, donc il fait des bagues de Magnum, par contre. Regarde si par hasard il aurait pas un bouquin. Oh! Ah, mais j'ai pas assez de munitions. L'impression d'avoir de bouquin, ouais, bah non. De quoi les tuer gratuites? Et bonne chance! On a réussi à le convaincre lui, du coup, mais. Comment puis-je réparer mon outillage? S'il en reste plus qu'un à convaincre, hein. C'est le Easy Pit, mais j'ai pas le niveau. Salut, salut. Je vous... Ouais. J'aimerais bien avoir sa dynamite quand même. Là, il me faudrait 400 points, ça va être terrible de l'atteindre. Oui, j'essaierai bien à l'indor. Après, je sais pas si ça vaut le coup de l'essayer tout de suite, et qu'il faudra attendre la prochaine mise à jour de démo. Tu l'as essayé de ton côté? Il me semble que oui, hein. Je ne sais pas. Faudrait que je lui vende les trucs que j'ai en trop qui me servent à rien dans mon inventaire. Salut. Tu tuer tous les poudriers. Et c'est l'Octazi. Si je t'avais déjà dit bonjour. Octazi, Monsieur Pistoug, Laout, Chiri Storm. Re-Chiri Storm, parce que t'avais vu débarquer hier soir. Une petite soif? Je peux ranger ça. Je vous fais... Elle a pas de bouquin sur les explosifs. Je suis tellement habitué à appuyer sur table pour quitter la conversation que ça me perturbe. Ouais, pour le coup, je le découvre. Je sais plus si lui, il avait des choses à vendre là-haut. J'aurais dû mieux poser mes points, j'ai pas fait gaffe, j'ai été trop vite. J'arrive à trouver un truc qui fait de la... Qui fait de la... Je pensais... J'étais convaincu que j'avais un truc d'explosion. Convaincu, mais du coup j'étais plus con que vaincu en fait. Hein. Pas que je sache. Je saurais pas te dire, Sag. J'en ai absolument aucune idée.
Pas en grande forme la caravane, non? Je sais pas ce que j'ai comme DLC, ça fait tellement longtemps que je possède New Vegas sur Steam que je sais pas du tout ce que j'ai dessus. Mais la plupart des gens disent que New Vegas est bien plus intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment le mieux? Je ne sais pas du tout. Parce que moi je suis en train de découvrir celui-ci, que je tourne quand même beaucoup en rond avec ma fatigue et, et mon envie de bien faire là. Je qu'il y avait un cadavre dans le coin, je sais pas pourquoi. On verra après s'il n'y a pas besoin de racheter le... Enfin de recommencer une partie, ça peut être intéressant que j'essaye de... De les prendre les DLC, on verra. Et là, faudra qu'on arrive à table mais... Le truc... Ah, sans mettre la main devant la bouche, c'est une honte. Attends, il y a de la visite ce soir à partir de 19h, je sais pas pouvoir dormir. Beaucoup en tout cas. Ça m'embête du coup. Ouais, d'accord, dans mon aide d'inventaire, je n'ai absolument aucun objet permettant d'augmenter les explosifs, mince. J'ai dû me vérifier. J'étais convaincu que j'avais un truc sur les explosifs. C'est dommage quand même. Faudrait que je monte d'un autre niveau encore pour réussir à... Juste faire plaisir à ce gars-là, quoi. Sinon, on y va sans la dynamite. Après tout, je suis sûr qu'on peut y arriver sans. Un truc sur le crochetage. C'est pas ça que je cherche, moi. Bah, c'est pas une solution pour... Pour que le mec vienne avec moi, tu vois. Enfin, pas vienne avec moi. Si, c'est ça, qu'il vienne avec nous. Pour l'attaque. J'étais en train de surcharger mon personnage. Dès que j'en aurai l'occasion, j'essaierai de m'installer quelque part. Je sais pas si c'est possible dans cet épisode-ci. Il y a quand même des bouquins par là. Hein. Vide. J'ai plein de bouquins sur la programmation.
voir, c'était plus pratique de faire comme ça. Il y a des choses qu'on peut pas récupérer mais qui sont affichées dans le décor. Je ne vois rien. Attends, casier. Donc tous la même chose dans les casiers, c'est quoi ce boulot là? Ça c'est déjà vide. Ça c'est déjà vide. Dans des boîtes encore. Il est là, Austin. Dans 18 degrés, on n'est pas sur de la chaleur là. Salut, partner. Ça veut dire que vous avez l'air en bonne forme. Securitron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Ça me rappelle le gars qui était devant nous dans l'hôtel à demander des chambres. Ou une chambre, je sais plus. Et le gars lui dit, bah voilà, vous en avez pour 1100 et quelques pour 3 nuits. Ah bah Twitchcon, il aura coûté cher à lui aussi, s'il a bien fallu qu'il parte d'Angleterre, ou d'un pays en tout cas anglophone. Qu'il vienne jusqu'à Paris, 1100 euros d'hôtel pour participer à la Twitchcon. Wouah! Qu'est-ce qui se passe avec les 1-1? Je sais même plus ce que j'ai mis. Il me semble que le 1 c'est le chocolat chaud. Je suis arrivé en ville il y a quoi, 10, 15 ans. Avant ça, je me rappelle plus bien. Curieux ça, tiens. En tout cas, c'est une bonne petite ville bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. Tu veux dire faire caca? Je peux pas dire, non. Mais peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. De rien, je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. Et coucou, Inforia. Comment ça va? Alors le t-shirt, il sort quand? Ils sont quand même forts, les gens. Des ennuis avec des voleurs de bétail? Vous pouvez compter sur moi, partenaire. On va faire filer cette vermine la queue entre les jambes. Ça va pas trop fatigué, de ton côté? Tout roule? Bonne route! On a réussi à recruter ici. Est-ce que je peux rentrer dans la cabane de Victor et tout lui piquer? Victor, est-ce que t'aurais pas, par exemple, un truc en explosif pour qu'on arrive à convaincre la dernière personne manquante? On est en train de lui piller sa maison, mec. En imaginant que c'est sa maison. Après, est-ce qu'il y rentre vraiment dans cette maison? Ça, c'est pas pour sûr. Hein. Non, non, pour lui tout seul, ça y est. Encore une fois, on était à 5 minutes à pied du... la convention. L'hôtel. Donc ça coûte vite cher, genre de truc. Et c'était pas un petit hôtel. Plus combien d'étoiles il avait. Par contre, je t'avoue que j'étais pas très content de ce qu'ils avaient annoncé, de ce qu'on a vu, quoi. Parce que là-bas... Ah ouais, non, pas de désir. Chéri avait pris justement cet hôtel-là parce qu'il disait que le lit faisait 2 mètres et qu'on allait avoir une baignoire. Résultat, on n'a pas eu de lit de 2 mètres et on n'a pas eu de baignoire. Mais...
Il y a des courriers, enfin des magazines pour absolument tout dans cette ville, sauf les explosifs. Bah ouais, ça pique vite, hein. En même temps, ça coûtait cher aussi au niveau de la nourriture. Bah, nous, c'est simple, on est resté la nuit, ça nous a coûté 600 euros, donc... On est resté la nuit du vendredi, et encore, on n'a même pas pris les repas avec. Il y a des formules avec les repas à l'intérieur, etc., le petit-déj, tout ça. Salut. Merci. Mais de rien. Regardez des livres brûlés. Tu m'étonnes que je suis visible. Salut. Elle me repère direct, forcément, donc... Et coucou, mec, comment ça va? Bon, normalement, aujourd'hui, on fait du rap pour pouvoir être Dukes. La température a monté à 28 entre-temps. Laisser la clim allumée pendant 2 heures pour... Bon, après on était à 30 quand j'ai allumé la clim. Elle est restée allumée 2 heures, on est descendu à 25 et on est à 28. Enfin 26, on n'est pas descendu à 25, je raconte des bêtises. J'ai l'impression d'avoir vidé toutes les boîtes aux lettres du jeu. Bah, c'est pas qu'une impression, c'est sûr. Bah il faisait 30 avant que je mette la clim. Hein. Qu'il y a plein de choses qui me manquent. Donc Easy Peasy est peut-être à l'intérieur en train de boire un coup. Je sais pas du tout comment ça fonctionne tout ça. Cette porte est fermée et ça j'ai déjà fouillé. Bon bah je sais pas quoi faire là pour pouvoir mieux gérer la situation. Peut-être qu'il va falloir que j'y aille sans la dynamite de Easy Pit, mais on aurait gagné tellement de temps à tuer tout le monde hein, avec ces dynamites. Et même pas un magazine payant. On va se regarder, aller voir le mec là-haut. Je sais pas ce que c'est, Mary Gray. Et c'est Arvin. Oui, c'est le début du jeu où je tourne vraiment en rond, Arvin. Donc, on a quelques heures, sincèrement, du tout début du jeu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sony a accepté de nous aider? Eh bien, j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller. À moins que vous ayez autre chose à faire. Très bien. Bon, alors, quel est le plan? On est prêt? Très bien. Bah, il n'y a pas un bouquin, un truc que je pourrais récupérer? Et mon arme
vous a bientôt cassé. Je suis une quiche. Et merci Pellegrino du coup. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Ah mais non. Le temps que l'alerte s'est terminée, il était déjà parti suivre quelqu'un d'autre. Ah, attends, 9h44, j'ai raté ton message, hein, Fouria. Ça va et toi? Non, bienvenue, c'est trop deck de pas avoir pu passer plus de temps à papoter. C'est le cas avec tout le monde, en fait, en galère. Et c'était tout, on n'a pas discuté, effectivement. Mais bien remis de samedi, ouais, j'étais tellement excité, en fait, que je me suis pas rendu compte du taux de fatigue que j'avais, et là, je t'avoue que c'est en train de me... J'ai cru que j'arriverais pas en vie quand on est rentré de Paris. Le fait de faire le trajet à pied de la gare jusqu'à chez moi, alors que c'est quoi, c'est 20 minutes à pied, tu vois, c'est rien. C'était en plein cagnard et tout, on n'en pouvait plus, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. J'allais tomber, que c'était fini. Sur le goudron tout neuf de la rue, là, qu'ils sont en train de faire. Bien chaud, bien bouillant. Je me serais bien brûlé. Finalement, je suis pas mort. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, en fait, il a follow, comme je dis... Voilà, depuis 9h05, enfin, pendant la minute 9h46, il a suivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chaînes à 9h46. Voilà. Et à 9h45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Et à 8h47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, à 9h48. Donc, Attends, il y a des bouquins, là. C'est que des livres d'avant-guerre. Bon, ben en fait, j'aurais mal joué. Tant pis. Bah de premier soin, ça peut être intéressant, ça, de faire du stock en plus. Merde, je suis en train de piller le docteur. Il aura plus rien, alors que je lui ai gentiment demandé les trucs et tout. Comment ça va? Prenez soin. Au revoir, monsieur. Et quoi qui ne décolle pas, Omei? Mais non, j'ai pas envie de payer des trucs chez les gens. Bon, bah tant pis. Parce que je t'avoue que j'ai terriblement envie de passer une heure de plus, alors que ça fait 2h35 que je joue, que je tourne en rond en boucle, juste pour essayer de monter un niveau, pour pouvoir réussir à convaincre une personne de plus. Et j'ai mal calculé mon coût, parce que j'étais convaincu d'avoir un truc sur les explosifs dans mon inventaire, et j'ai de tout sauf le truc des explosifs. Du coup, je me retrouve dans une situation où en fait, je ne suis pas monté l'explosif assez haut pour pouvoir convaincre. Après, est-ce que par hasard, Easy Pete ne serait pas la personne? Ah ben non, parce qu'on a déjà visité cette maison, et je crois que c'est la sienne, celle-ci. On va aller voir où il va. On va voir si on peut piquer un bouquin qui serait lié, du coup, aux explosifs. Non, Doctazi. Je ne pillerai pas une maison comme celle-ci. Je trouve ce qui supprime, n'empêche, le principe des follow.
Enfin, le fait qu'on puisse suivre les follow de tout le monde. Parce que bon, on sert à quoi de souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui n'est déjà plus là, tu vois. Et qui voit même déjà, c'est... Des fois, c'est même déjà une follow, tu vois. Le temps que l'alerte pop. Donc, j'ai vu que t'habitais ici. Est-ce que t'aurais un bouquin sur l'explosif? Alors, je me dis que t'as déjà tout appris, donc t'as pas besoin de ça. Mais, personnellement, moi, j'en ai besoin. Du coup, il n'y a pas moyen d'essayer de le convaincre en disant écoute Gérard, j'ai un crayon, t'as déjà vu ce qu'il fait Joker avec un crayon dans Dark Knight, est-ce que t'as vraiment envie de voir ce que ça donne? J'ai pas encore le crayon dans mon inventaire, faut d'abord que je lui pique, mais désolé de me tenir aussi mal, c'est n'importe quoi, je suis tellement crevé. Tour de magie. Hop, peu de crayon. Bon, tant pis, allez, hop. Je crois que c'est optionnel en plus dans la quête d'essayer de le convaincre. Mais je meurs d'envie de retourner attaquer les bestioles dans le coin et essayer de leur expliquer que je ne suis pas d'accord et que je veux garder, je veux monter de niveau. Donc oui, bienvenue, Doctazi, installe-toi confortablement, les Spangs s'en tirera bien ici aussi. Je peux même pas piquer les motos, là. Ah, attends. Il y a là-dedans... Non, on sait jamais, tu vois, qui m'est planqué dans un coin... Bonjour, vous auriez un bouquin là-dedans, éventuellement, quelque chose que je pourrais utiliser pour... C'est un truc pour discuter, ça. Il y a des bouquins partout, mais pas ce que je cherche. Doc, t'as dit suivre le gecko? Oui, oui, je t'ai déjà fait. Je suis allé assez bas dans la zone... Bon, je sens que ça va se terminer comme ça, on va juste dire qu'on est prêt pour la baston. Même si on n'a pas Easy Pete avec nous, ça me rend triste, que j'aurais bien aimé quand même l'accomplir cette mission-là avec Easy Pete, c'est-à-dire avec la dynamite. Mais après j'en ai moi-même de la dynamite, hein, mais bon, c'est pas utilisé. Je l'ai déjà fait, Doctazi. Mais j'ai pas trouvé de document permettant d'augmenter mon niveau de comment dire ça, de dynamite explosif. Et c'est la seule façon de la convaincre apparemment le Gérard. Il lui dire ah, j'ai 25 en explosif, du coup viens laisse-moi utiliser ton matériel. Donc coucou Axley aussi. Et les Scooby-Doo-Bidoo. Ah. Et les Scooby-Dooby-Doo. Je sais pas s'il est encore là, Foria. Parce que j'ai l'impression d'avoir répondu à côté de la plaque, bien après. Ouais. On travaille à regarder. Du coup, j'ai des pseudos de gens que j'aime bien. Et que j'ai pas vu à la TwitchCon. En même temps, c'est normal, c'était trop cher. Et voilà. Ouais, mais pour l'instant, ils m'en veulent pas, les poudriers. Je n'ai mis aucun mode Arvid, on est vraiment sur le jeu de base. J'ai hésité au départ, et puis je me suis dit, autant que j'essaye sans. Parce qu'en fait, en regardant le concept avant, après des modes, le jeu a l'air plus net, mais je le trouvais moins joli des fois. J'avais l'impression qu'il était plus fade, plus lisse, plus plat. Pas tout à fait la fin, parce qu'on est mardi, donc je vais essayer de... Red Hughes qui est... Ouais, non, arrête, Titi, de faire ça. Mais en même temps, si je tue les poudriers... Mais les poudriers, ils savent pas que je suis contre eux. Je sais même plus où est-ce qu'il était, la prison. Si j'appuie sur un virgule pour ouvrir la carte. C'est du grand n'importe quoi. Alors...
Quand suite des poudriers, actuellement ils sont neutres. Et merci beaucoup Omei pour le cadeau et pour le soutien du coup. Merci beaucoup. Bonne journée Seg. Et ah oh, s'il y a des quêtes, vas-y, on va aller voir. Effectivement. Oh, non, c'était bien par là que j'étais parti. Je sais même plus. Ben, je les apprécie pas forcément, mais... Puisque le but du jeu... Non, mais t'imagines quand même, je fais des quêtes avec eux. Et pendant ce temps-là, je trouve que c'est vachement dégueulasse. Pendant ce temps-là, je suis en train de monter une petite guéguerre contre eux. Alors que je... Enfin, ouais, ça me va pas trop, ça. Après, ça dépend de quelle quête il me propose. Genre, s'il y a une quête qui me dit bonjour, vous devez tuer un champignon, et ben je tire une balle dans la tête à champignon quand il veut, tu vois. Ça me paraît plutôt bien. Après, ça dépend du champignon. Je sais même pas si Yugi stream ce matin. Je crois qu'il avait dit à demain hier. Peut-être que je vérifie. Merde. Je vais encore me retrouver à court de clopes. T'inquiète, bientôt t'en auras plus besoin. Je te rappelle que fumer est dangereux pour la santé. Encore plus si on fait des trous. Dans cette santé. Oui, j'ai une arme à feu. Mais bon, on a-tu vraiment besoin de ta santé? Et salut Fumé Animac 2, comment vas-tu? Si un représentant de la loi vient me chercher, il m'aura pas facilement. Je vais encore me retrouver à court de clopes. Fatigant la vie. Et coucou Monsieur Holmes. C'est ça qu'ils ont proposé? Bon, on va leur dire non. Oh, c'est quoi ici? Ça a fait bip 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 bip, mais comme j'ai d'autres tensions, je suis pas allé bien loin. Et ben c'est le cas de beaucoup de gens pour New Vegas, mais comme j'expliquais il y a quelques minutes, en fait, il m'a jamais vraiment pas tenté, si, il m'a souvent tenté. C'est juste que j'aime pas cet environnement, je trouve ça vide, j'aime pas ce qui est désertique, cette savane, ce côté aride. Visuellement, ça veut pas dire que c'est moche, hein, c'est juste que ça me plaît pas. J'aime bien la route, je trouve ça joli, mais le reste, j'ai juste l'impression de voir un décor vide, et avec beaucoup de cailloux et peu de végétation. Moi j'aime bien par exemple les Appalaches, avec la partie avec les grands arbres, l'herbe au sol, déprimant même pas, parce que t'as des gens qui adorent le désert et tout, hein, et pour qui ça n'évoque en aucun cas quelque chose de déprimant, mais ça fait partie des univers, des éléments visuels qui font que je n'accroche pas. J'ai beau m'intéresser au scénario et tout, en fait c'est comme le pixel, c'est-à-dire que c'est plus un obstacle qu'un truc qui me tente. En général, les gens pixels, quand je vois les gens pixels, je me dis... Non. Je suis pas super motivé, et des fois j'en essaie, je fais « Oh, c'était vachement cool ». Mais à la base, c'est plus un obstacle ou un truc qu'un truc qui me donne envie de jouer, le pixel. Après, ça dépend, on a des copains qui bossent sur des jeux en pixel ou qui ont commencé à bosser sur des jeux en pixel et... Et j'étais content, tu vois. La série, ça me rend curieux, je sais pas trop ce qu'ils vont raconter. Bon, je vais être content de voir le décor et quelques références au truc, mais... On va avoir des personnages en CGI un peu bizarres, non?
Alors Minecraft, j'ai mis du temps à l'essayer, mais pas tant que ça, parce que je crois que j'ai commencé à y jouer en 2008, 2009 peut-être. Un truc dans le genre, je sais plus quand exactement. Et j'y ai passé des heures et des heures et des heures, mais c'est parti de ces jeux qui ne me tentaient absolument pas. Je trouvais que le jeu était moche, il n'avait pas particulièrement un grand intérêt pour moi. Qui veut de la viande de chien? Qui veut? Mince. C'est presque aussi cher que gratuit. C'est quoi ça? Ah, bah c'est encore une personne qui est décédée en de tristes conditions. Je me suis trompé de bouton, on va se regarder. Ah ouais? Le lore de quoi? D'Octazi? Mais du coup, ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur Minecraft après l'avoir essayé. J'ai vu une vidéo de Gugus qui était en train de jouer et dans cette vidéo, la nuit est tombée, ils se sont dit « Ah vite, faut que se planquer parce que ouais, y a ça la nuit. » Le toutou, oui, mais bon. Tout ceci relève de la survie. Je sais vraiment pas si Hughes il va pouvoir lancer ce matin ou pas. Les offres VIP pour les pour Lego. Attention, je vous le dis. Du 11 au 15 juillet, les clients recevront le double de points VIP pour tout achat de Lego City, Friends, Harry Potter et Technique. Du 11 au 15 juillet, les membres VIP recevront également un cadeau offert pour tout achat. Le Blacktron Cruiser pour un achat minimum de 190€. Le Bionicle Taqua à partir de 100€ et le Funky Pack pour un achat de 50€. Du 11 au 20 juillet, les clients pourront se procurer certains de nos sets préférés avec une réduction d'au moins 20%. La promotion inclut Batman, Batmobile, Atari 2600, Viking Ship and the Midgard Serpent, Room of Requirement, je ne sais pas comment le prononcer voilà, la française, centre de table en fleurs séchées. Voilà. Le lancement du mois de juillet, le retour du Disney, du château Disney, la forteresse Eldorado et Disney House Pocus, la maison des sœurs Sanderson. Coucou Kenzo, comment vas-tu? Je me sens tellement crevé. Mais à la base, c'est pas ça que je cherchais. Je cherche un truc, mais j'oublie tout au fur et à mesure que je le fais. Ah, je sais plus, ça m'agace. Tant pis. J'ai voulu faire un truc, aller regarder un truc. Ah si, je voulais voir si Hughes était là. Voilà, c'est ça que je voulais. Merci beaucoup, Marie-Gory, d'avoir réussi à pallier mon manque de concentration tout de suite. Ah mais attends, mais c'est la prison de la RNC, ça n'a rien à voir avec les poudriers, du coup. Ok, l'entrée.
Tanori. Voyons, balance. Ah, je suis explosé, j'ai la tête qui tourne depuis hier soir quand on a commencé le stream, donc ouais. Je t'avoue que je pense que je pose ma tête contre l'oreiller et je m'endors. La question sera alors, mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce qu'il faut que je reprenne le rythme. Prenons le rythme, prenons le rythme, prenons le rythme, prenons le rythme. Sésame, ouvre-toi, mais pas trop vite. Encore, ouais. Gardez vos mugs, j'en veux plus. T'inquiète, ça roule. Ça veut dire quoi de se pointer ici comme si vous étiez des nôtres? Vous savez que c'est le territoire des poudriers? C'est nous. On a été envoyés ici pour réparer les rails et en poser d'autres, et pour ça, on avait de la dynamite. Bien sûr, la dynamite, ça marche aussi contre les gardes des caravanes. Alors c'est ce qu'on fait. On vole et on fait péter des trucs. Ah bah super. Ouais. Youpi. Attends. Attention, en entrant de mes... Hein? C'est, ou plutôt, c'était le pénitencier. La prison de la République de Nouvelle-Californie. Un camp de travaux forcés. Un jour, on a décidé de se libérer. On a buté le directeur, les gardiens, et on s'est emparé du territoire. Ben, j'en sais rien. Ça dépend si j'y gagne quelque chose. Sans capsule, ça me paraît très correct. Arrêtez de me faire perdre mon temps. C'est Eddie. On le trouve généralement dans le fauteuil du directeur, dans le bâtiment principal. Ouais, mince. Peu importe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Moi, je faisais partie du plus grand gang du Hub. Vous avez entendu parler du Hub, non? C'est à l'Ouest, je crois, en Californie. Je connais pas. On a le meilleur fort des terres dévastées. On a de l'eau et du courant. Et si on a besoin de bouffe, on va la voler. Oh, je crois que j'ai reçu un jeu qui me tentait bien, si c'est ce que ouais, je pense. Ouais, peu importe. Comment ça, crâne? Alors attends, ça nécessite une clé. Bon, ben, je vais pas buter tout le monde non plus, hein, j'ai pas trop envie de rentrer à la barbare. Je crois qu'il vaut mieux que je tente sans dynamite, mais j'aurais tellement aimé monter un niveau de plus et pouvoir l'utiliser. Du coup, c'était pas Crane. C'est toujours un brocoli, mais non. S'il était un brocoli, il serait déjà mort. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Quand les choses se mettent à exploser, faut pas espérer faire de vieux os. Le message indique, certains des types du Nord cherchent à s'organiser. On commence à se dire que c'est une bonne idée. Bon, on l'a déjà lu ce truc. Dans le camp du Sud, je crois. Encore un poudrier. Vous avez pas des bouquins, un marchand, un truc qui permettrait de... Ils sont pas très accueillantes ces mines quand même. Et coucou Xiana, vrai mécanique mushroom aussi. Prenons le rythme, prenons le rythme, prenons le rythme, prenons le rythme.
On était déjà allé par là, non? Pense à moi comme je te save. Et rien nous séparera. Je vous laisse sur la carte. Ah, attends, il y a des ennemis par là-bas. Encore vide. Et il est en mode survie dans le jeu, comment ça? Moi, non, il n'y a pas vraiment de mode survie. La firme du McDo, c'est du le Fallout et à part essayer de survivre par rapport aux ennemis, c'est pas, j'ai pas à manger, boire ou autre régulièrement, tu vois. Je crois que je suis parti beaucoup trop loin, n'importe où là. Peut-être que je pourrais essayer de me rapprocher de Sloan. Non, pas celui-là, je crois que ça arrivait seulement dans le 4, dans les dernières mises à jour, un truc dans le genre, ou dans Skyrim. Dans la dernière mise à jour de Skyrim, je suis même pas sûr que ce soit sur Fallout 4 au final. C'est une des particulières quand même. Pense à moi comme je te save. J'ai déjà sauvegardé à l'entrée. Et si je crève, j'aurai pas grand chose à revisiter. Ça marche pas comme ça. Il me demande d'avoir 50. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais j'ai envie d'ouvrir cette porte-là, moi. Je suis d'accord que là, en termes de statistiques, compétences, crochetage, je suis à 25. Donc si je rajoute 30, je suis à 35, 55, non? Mais du coup, ça veut pas, peut-être parce que c'est temporaire, mais ça me paraît bizarre, parce que c'est le but.
Dommage. Un truc temporaire, des bouquins. J'ai 3 bouquins qui donnent plus 10. Après, qui sont pas cumulables. Ah. Je suis coincé. Oh, il y en a plein. Bah, je vais mourir. S'il y en a un seul qui me prend pas surpris, il va faire « Ah bonjour, t'es mort !» Attends, vivre, objet, aide, divers. Attends, il n'y a pas des trucs genre miam miam. Elle est où ma poudre de guérison là? Ça fait rien en fait. On sent jamais. Il y en a d'autres là par ici? J'ai plus que 7 balles par contre, encore une fois. C'est pas bon du tout. Dont il va falloir que je me débarrasse. Il y a d'autres gens morts? Wouh! Ou d'autres gens à tuer par hasard? Moi je m'accorde avec les deux, hein. Et what? Mais moi je voulais d'autres scorpions, comme ça je les bute, et quand je les bute, je gagne des points de stats, et je monte à 1050, et comme ça, plus de problème. Non? Faut 100 pour ouvrir la porte du bunker. 100. J'aime bien les effets de lumière à l'ancienne. Ça, c'est ceux que j'avais tués tout à l'heure en arrivant. Ils bougent plus. J'ai joué 3 heures pour quasiment pas avancer. Tout ce que je voulais, moi, c'était monter de niveau. Mais Williams, il n'y aura pas de rat de scorpion. Là où tu vas. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre, hein. Peut-être des moustiques géants, tout ça, mais pas de rat de scorpion. Et merci Orpharon, je suis même pas sûr de t'avoir dit merci, putain j'ai raté plein de monde.
Coucou Monsieur Souris, coucou Mister Ghostamo, coucou Papy 5GB, coucou Xilanov, Mechanic Mushroom, Kenzo, Asha Shams, le maire du McDo, Chax, Page. Oh, j'ai raté quelqu'un. Oh, à quelle heure va lancer Hughes? I'm always looking on the bright side of life. Tiens, lève là le ministre. Comment ça va, monsieur? Pas trop fatigué de ton côté? Bien remis des événements? Ou tu es comme moi, un peu tout cassé? Side of life. Doudou. Il y a une époque où Space il terminait toujours ses streams comme ça. Je sais pas si c'est toujours le cas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les fins de stream. Bah, on avait dit qu'il streamait, c'était marqué sur Twitter. Donc c'était bon. Voilà. Paf. Voilà. La photomontage? C'est plus. C'est qui les gens qui sont là? Driftmore reste à distance, pour l'instant. C'est un rat top et éduqué? Je cherche un bouquin sur les explosifs. T'aurais pas ça, toi, par hasard? Ramenez chez moi. Un jour, on trouvera une solution. Dans ce cas-là, moi, je veux un mini Hughes et un mini Alfred. Ok. C'est pour ça qu'il boite, c'est pas une erreur d'animation. Ah bah ça nous fera des points ça. Peut-être qu'il n'est pas rentré. J'aime bien cet environnement vieux FPS comme ça en fait. Et les bouteilles sont vides, je peux même pas les piquer. Ramasse-les tes bouteilles. Peut-être je peux rien prendre. C'est des tourtes ces trucs. Il me faudrait un éditeur comme ça où je fais mes propres petits modèles 3D et après, paf, je crée mon aventure. Donc tu vas me dire, finalement, Unreal normalement devrait permettre de faire ce genre de choses. Un jour peut-être. Et le mec à 100 000 et. J'espère que t'es pas trop en retard, Yuxé. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez mangé de meilleur dans votre vie? Et vous, c'est quoi le meilleur truc que vous avez mangé dans votre vie? Putain,
qui doit être impressionnant, Holmes, les gens qui connaissent les jeux sur le bout des doigts comme ça. Parce qu'en fait, moi, les premiers trucs qui me viennent en tête, c'est le Trianon. J'adore le Trianon. Ça, trop bon. Le tiramisu de chéri est super bon. Et après, j'aime bien la truffade. Le chocolat, j'adore ça. Tu vois, mais... C'est bon, les omelettes aussi. Après, je me dis toujours que le meilleur repas de la journée, c'est le petit-déj quand t'as ton bon grand bol de chocolat chaud avec des tartines et tout. T'as vu ça un peu? Bien sûr qu'elle a l'air sympa. Elle est douce, elle est belle et elle fait des faciales. Pour l'explication, hier, on est rentré et je me dis, j'ai soif. Et là, je retourne le petit machin dessus et en fait, tu vois, il tournait vers moi et il y a toute l'eau qui sort comme ça, on a un jet d'eau et je me suis tout pris dans la gueule. Tu vois, donc chérie s'est foutu de ma gueule, puis après elle m'a dit ah, j'ai soif aussi, du coup je lui ai ramené sa gourde à elle, et je me suis dit c'est bizarre que ma gourde m'ait fait ça, et comme je suis fatigué j'ai d'autres tensions et j'ai pas calculé en fait que c'était pas la même gourde et tout, du coup qu'est-ce que je fais, j'arrive dans la chambre, parce qu'elle était allongée sur le lit à ce moment-là, et moi j'arrive avec sa propre gourde, on a qu'à dire que c'est une deuxième gourde ça, et qu'est-ce que je fais, bah je fais la même manipulation, et là, partout, la même. Donc hier, mes gourdes étaient un peu bizarres. Je pense que c'est le voyage qui les a excités. Et puis en plus, il y en avait partout par terre et tout, c'était, bref. Voilà. Et nous aussi, on est quasiment à court là. De petites cochonneries, de petits machins. La dernière fois qu'on a fait les courses, c'était il y a un mois, plus d'un mois maintenant. Du coup, j'ai envie de faire le plein. Bonsoir, ce live est condamné pour déviance. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Bande de déviants. Pourquoi cette question? Normalement, on ne répond pas à une question par une question. Sauf si on veut embêter les gens. Ah ouais? C'est incroyable que certaines personnes mangent encore ces trucs. Mais bon, j'ai une recette d'omelette de griffe mort que j'aimerais essayer. Le problème, c'est qu'il faut un œuf de griffe mort. On n'a rien sans rien. On est d'accord que le griffe mort, c'est le truc qui m'a tué plein de fois depuis le début du jeu, là. Avec des ailes qui... Ma grand-tante Rose tenait une chambre d'hôte en Californie, dans une ville appelée Modoc. C'est d'elle que je tiens cette recette. Je ne sais pas comment elle a capturé une femelle griffe mort, mais elle l'a gardée dans une grange. Elle n'était jamais à court d'œufs. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un se pointe et tue le griffe mort d'une balle dans l'œil. T'as tué une balle dans l'œil? Pas toujours. Et un Casador. Casamdoum. Un truc dans le genre. Je suis pas tes à ce niveau. Du coup, c'est foutu pour moi. Je vais jamais aller récupérer un œuf là. À moins que je trouve une solution pour ramasser l'œuf discrètement et me barrer sur la pointe des pieds. Et donc, coucou Féron. La carrière au nord d'ici grouille de griffes morts. Alors, il doit bien traîner un œuf ou deux quelque part. Bien sûr. N'importe quel œuf fera l'affaire. D'après ma tante Rose, il se conserve très longtemps. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'accepterai de confier le secret de cette recette. Mourir pour une recette, d'accord, mais le Morlan... Vous voulez boire ou manger quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh non, je suis en route pour New Vegas. On dit qu'on y vit bien là-bas et que surtout, la RNC n'est pas trop le nez dans vos affaires. J'y arriverai bien un jour. Il paraît qu'on peut même aller sur le strip quand on est riche.
J'y suis née et j'y ai grandi. D'après mon grand-père, ça va mieux que jamais en Californie. Il n'y a presque plus de Raiders. Et on peut trouver du travail dans un atelier ou une ferme. Mais il y a des impôts, des lois, ce genre de choses. La RNC assure la paix et l'ordre, mais on s'y ennuie. Alors j'ai décidé de venir sur la frontière. T'imagines, n'empêche, on fait un jeu de colonisation, un peu comme Stackland, sur lequel on n'est pas revenu longtemps. Après, on fait un jeu vidéo avec la ville telle que vous l'avez montée, en gros, enfin, c'est-à-dire la ville avec chacune de vos maisons et tout. Et après, dans quelques années, on fait un jeu vidéo avec la même ville en version post-apo. Un peu comme un fable, t'sais, avec les années qui suivent et tout. Bref, et... Je suis pas encore mort. D'accord. Ah si, plein de fois, mais... Vous voulez boire ou manger quelque chose? Ouais? D'accord. Bien sûr. Bouffe craignos. Ah, moi, j'ai cru que c'était bouffe crayon. J'ai dit bouffe crayon. C'est des enfants, ça. Brochette d'écureuil, cocktail atomique, ossal. T'as pas un bouquin sur les explosifs? J'ai tellement les réflexes des touches de Fallout 4 et Fallout 76, là. Ragout d'écureuil. Alors, je suis désolé, mais en fait, j'ai besoin de rien. Il se trouve plus de place. Attends, non, j'ai une idée. Bien sûr. T'as combien, 158? Soyons à poil. Des balles, cartouches de cigarettes. Hop là, ça coûte cher les cartouches de cigarettes. Je connais pas encore très bien les objets, mais bon... Je viens de voir un truc qui servait à rien de vendre. Et puis il était joli le petit bonhomme dinosaure en plus. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. Très bien. Ah, moi j'aime beaucoup le 76. Magasin à machine. Il me dit ouf. Excusez-moi cette façon de parler aux gens. Bref. Bref aussi. Il manque 3 points, faut que je monte de niveau. J'espère qu'ils ne fermeront pas la carrière. J'ai besoin de l'argent que je gagne ici. Ma question, c'est pourquoi tu préfères ça? Est-ce que c'est une question de mauvais goût ou... Ou il y a une autre raison derrière? Pas avoir sa propre maison comme dans les autres jeux de ce style. Ils ont pas les bons bouquins là-dedans là. Et là où il y a quoi? Ils ont pas laissé la clé quelque part. Personne ne m'a vu encore. Ça, c'est tout vide.
Et coucou Delphia. D'ailleurs, j'ai bientôt mettre mon plan à exécution. Maintenant que je suis rentré, qu'il n'y a plus de raison que je me déplace. Quand est-ce que la RNC va se décider à nous envoyer des soldats pour nous aider ? Bah, il est où ce bouquin dont tu me parlais ? C'est là-dedans, mais c'est fermé là-dedans du coup. Je n'ai pas point le droit d'aller là-bas. Je suis explosé. J'ai vraiment pas assez dormi, j'ai la tête qui tourne, j'ai des fourmis dans les jambes, dans les pieds, dans les... Enfin bref, c'est... Mais je suis content, je suis ultra content, mais fatigué. Et du coup, voilà. Ah oui, c'est vrai que je suis à poil. J'ai oublié les détails, j'ai vendu l'armure que je portais sur moi et du coup je suis à poil. Alors, on va peut-être déjà commencer par ça. Éviter d'être à poil. Oh, un masque de hockey, mais c'est parfait. Mais je vais y aller après, Omei. Alors après, ça va être un peu difficile pour attention. Se reposer. Il y a toute une meute de griffes morts un peu plus loin, au nord. À votre place, je ferai demi-tour. Si vous allez à New Vegas, je vous conseille de partir vers l'est après Prime, puis de faire une boucle vers le nord. C'est carrément plus sûr. Merci. Allez, c'est les Deathclaws, je vois ce que c'est. J'y ai été une fois, et je déconseille la visite à tout le monde. À moins d'avoir envie de cramer sa paix du mois en 5 minutes. J'ai vu beaucoup de gens passer par ici, plein d'espoir. Ils pensent que la vie sera facile quand ils arriveront là-bas. Eh ben, c'est jamais le cas. Ici, on est à Sloan, un camp pour les mineurs. La carrière, elle, est au nord d'ici. Elle s'appelle Quarry Junction. Tout ça est financé par la RNC. Peut-être aller voir la carrière. Fabriquons du ciment pour la RNC, avec le calcaire qu'on mine avec de la dynamite et des excavatrices. C'est un sale boulot, mais ça paie bien. Mais on préférerait être payé en capsule. Il n'y a pas beaucoup de marchands qui acceptent les billets de la RNC. Ouais, il ou elle s'est aventuré dans le camp il y a quelques mois de ça. Là. L'air plutôt amical. Il est vraiment moche. Mais les gars aiment bien le voir traîner dans le coin. Merci, Mélodie c'est Williams. Bon pour le moral, quoi. Bon, Lurk. On va arriver. Ils sont entrés dans la carrière après le passage des poudriers, qui sont partis avec presque toute notre dynamite. Nous avons fermé la carrière en attendant que la RNC nous amène des bâtons d'explosifs. Mais maintenant, les griffes morts se montrent. La RNC, elle, ne s'est jamais montrée. Et mes hommes et moi, on se retrouve assis sans rien faire toute la journée. C'est pénible. On en voyait de temps en temps, mais ils n'avaient pas l'air de vouloir s'approcher de la carrière. Peut-être à cause du bruit, ou des mineurs. J'arrive pas à croire que toute une meute soit entrée dans la carrière. Des bisous, Mélodie Williams. Je pensais qu'une poisse pareille, ça n'existait qu'à New Vegas. Des bisous, et bonne matinée, et bonne journée, et prends soin de toi. Ce sont d'anciens détenus en cavale, ils viennent du sud. La RNC les exploitait pour entretenir les rails. Ça faisait partie de leur peine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les poudriers sont dans la nature. C'est un de leurs groupes qui s'est emparé de notre réserve de dynamite. Vous avez déjà vu un griffe mort ? Ils sont plus grands qu'un homme, et bien, bien plus forts et plus rapides. Et là, il y en a toute une meute. Il faudrait être le plus gros dur des terres dévastées pour avoir le moindre espoir de survie. Autant dire que vous n'avez aucune chance. Il faudrait abattre les chefs de la meute, la mère et le mâle alpha. Tuez-les, et la meute se dispersera. Mais c'est pas gagné. Ok. Si vous décidez vraiment de continuer vers le nord, ne venez pas vous plaindre que personne ne vient vous sortir d'affaire. Il fait vraiment trop chaud. Bon sang. Certains jours, je me dis que j'aurais dû rester en Californie. La Californie. Pauvre Snuffles.
J'aurais aimé que quelqu'un puisse faire quelque chose pour sa jambe. Ça viendra, Gérard, ça viendra. Il suffit juste que je monte en haut de niveau et c'est bon. Alors j'imagine que la carrière est quelque part par là. Du coup, comme ils m'ont dit de pas y aller, ben forcément. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Hein? Générateur ne marche toujours pas. Quelle surprise. J'espère qu'ils ne fermeront pas la carrière. J'ai besoin de l'argent que je gagne ici. Les griffes morts restent à distance. Pour l'instant. Regarde, personne n'est mort. Tiens, je vais même sauvegarder pour voir. Attends, non. Non. Ah non, c'est bon, elle est encore là. J'ai eu peur, je me suis dit, ça y est, j'ai tué la petite bestiole, là. J'aurais été quand même un peu dégoûté, là, je pense. Hein. Mince. Pauvre Snuffles. J'aurais aimé que quelqu'un puisse faire quelque chose pour sa jambe. J'ai été un peu détecté quand même, je pense. Oui, je l'avoue, j'ai un peu triché du coup. Et Redrika, t'as réussi à dormir un peu? Moi, je suis passé sur le deuxième PC sans le vouloir. Il est temps que je m'arrête. Donc le sud, c'est non. Ils ont dit que la carrière était au nord. Ouais, c'est pour ça, puis il faut que je sois levé vers 18h, 18h30. Du coup, je vais galérer. Oh, il y a un mur invisible. Des bisous, Doctazi. Ça marche bien aussi, ouais, mais faut amener Nuke. C'est un peu le souci. Pour l'instant, ça va. Ça roule. Bah. Ils ont l'air morts, les bestiaux là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont la mort ou ils font la sieste?
personne m'est tombé dessus. J'ai peur que j'en charge une partie qui pop. Soyons pas idiots. Nouvelle sauvegarde. Mince. Mais je suis curieux. La curiosité est un vilain défaut. Ça a été expédié rapidement, alors fallait pas faire ça. Tant pis. Simple, efficace, rapide. Ah mais il y en a d'autres encore un peu plus loin là. Attends, mais comment ça se fait qu'il y a autant de bestioles aussi violentes dès le départ? Les mecs qui se sont dit, bon, on va partir du principe que ce monde est vraiment dangereux. Du coup, on va remettre les pires trucs à côté de la base principale. Bon, après, j'avoue que j'ai quand même pas mal marché. Et que j'ai même pas commencé la quête de protection de la ville, puisque je veux monter de niveau avant. Ce qui n'est, ma foi, pas le truc le plus sain qu'on puisse faire. Là, c'était de la baffe. Bah, c'était une pichenette. Le mec, il est arrivé, il a fait... L'antre de Neil. Neil. Cet endroit est dangereux, Sagdos. Surtout pour quelqu'un comme vous. Faites demi-tour. Vous ne trouverez rien d'intéressant ici. Bonjour. Je suis un... Je suis tout comme toi, un Sagdos. À la peau d'une couleur différente, aux muscles moins saillants, mais au final, t'as quand même des os toi en dessous aussi. Ça y est, le chasseur m'a mêlé. Vous avez dû entendre ces émissions. Pourquoi un sac d'os répond à ce genre d'invitation? Ça me dépasse. Ou alors vous n'avez pas bien écouté. La voix de la radio, c'est celle de Tabitha, suprême commandant de Black Mountain. Ou plutôt, comme elle dit, de l'état du Tobita. Elle a pris l'endroit il y a 2 ans. Ici, les supermutants font exactement ce qu'elle dit. Et elle dit que les humains doivent être massacrés à vue. Elle me rend dingue, dingue, dingue. Et ouais. Il y en a certains qui parlent un peu mieux dans Fallout 76, par exemple. Oui, j'ai entendu le chat. Continuez à dire des choses comme ça, je ne resterai pas amical longtemps. Tous les super-mutants ne sont pas des brutes décérébrées. Nous sommes nombreux à être aussi intelligents qu'un humain moyen. Et les autres n'ont pas vraiment eu le choix, n'est-ce pas? C'est pas grave, j'accepte vos excuses. Et je vous tue. La route fait des lacets jusqu'en haut. Il y a 3 barrages, plus des patrouilles. Les franchir discrètement, ça sera difficile. Juste avant le sommet, il y a une sorte de village avec d'autres deuxième génération. Et il y a le complexe de Tabitha, bien gardé par ses nocturnes. Les nocturnes sont vicieux au combat. On va aller chez Hughes. Et ça, c'est quand on les voit arriver. Autant dire que c'est rarement le cas. Ils ont été fabriqués pour devenir des soldats, et on leur a donné des appareils pour se camoufler. Mais ça les a rendus fous, pour la plupart. Ils passent le plus clair de leur temps en haut de la montagne, mais la nuit, ils patrouillent les routes. Un conseil, évitez la montagne la nuit. Pendant des années, Black Mountain était une communauté pacifique. Son chef, Marcus, diffusa une invitation aux mutants dans les terres dévastées. C'est comme ça que j'ai trouvé Black Mountain, comme d'autres, surtout des mutants de deuxième génération. Marcus était trop accueillant. Quelle erreur! La communauté s'est retrouvée peuplée de deuxième génération, pas brillants, mais facile à gérer.
Puis les Nocturnes sont arrivées, avec Tabitha à leur tête. En moins d'une semaine, elle s'est présentée comme une prophétesse aux Comment yeux ça, des deuxième générations. Comment ça, rien dit, Orcs. Elle disait détenir la vérité, contrairement à Marcus. Marcus a anticipé la situation et a décidé de faire quelque chose avant que ça dégénère. Il a cassé la radio et il est parti fonder Jacobstown. Alors on va s'arrêter là, je pense. Merci de m'avoir prévenu, Neil. Bon, on fait demi-tour, hein. J'ai l'impression qu'au nord, c'est bloqué. À l'est, c'est bloqué. À l'est du nord, c'est bloqué. Bon, ben, on va aller voir ailleurs, hein. Oui, j'ai entendu le chat que t'avais peur. Oui, j'ai entendu. Chat mieux la tue-tête, là. Oh! C'est ça que j'aime, le sprouch. Eh mais j'étais pas déjà passé par ici, hein. Bah ouais, il y a plein de cadavres de bestioles. J'ai dû venir par là déjà. Je suis trop déconnecté aujourd'hui pour me rendre compte du trajet que j'ai fait, mais... New Vegas... Il y a quand même une sacrée ville là-haut, hein, du coup, avec New Vegas. Voilà pour sauvegarde. Pourquoi il refuse de sauvegarder? Pense à moi comme je te save et rien nous séparera. Oh, c'est toi qui m'attaques comme t'es mignon. Passerez pas. Voilà. Ok, un poudre qui a bien dû se faire démonter, mais il a quand même eu le temps d'en tuer deux des bestioles. Hein. Qui sont tous les gens qui étaient là? Gérard? Bon, elle est toujours là pour que je puisse la réparer. Elle doit être à la cantine. C'est l'heure de manger. Peut-être qu'un jour il faudra que je réessaye, il faudra de 4 en VR, mais la qualité était vraiment bizarre, pas top. Un petit Starfield en VR, ça pourrait être cool aussi. Quoi, c'est un bus? Un bus un peu tordu? Non, ça allait être en train en fait. Oh! Alors un machin au sol, là c'est quoi ça? Un truc qui se fait bouffer?
un bloc-notes revenu d'entre les morts. Ok. Du coup, je vais me poser là. Face à la prison. On sauvegarde ici. Voilà. Terre dévastée de Mojave. Et on quitte. Du coup, quitter. On va couper la rediffusion ici. J'espère quand même que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Désolé d'avoir été aussi tout pété dans tous les sens là. Et comment ça appelle manqué ? Quelqu'un qui m'a appelé ? Ah merde ! Il y a 8 minutes. It's raining kish. Hallelujah, it's a raining kish. Mannequin Polynésie française. On m'appellerait de Polynésie française, bref. Et donc des bisous. Je sais pas. Et bref, je coupe d'abord la rediffusion et après on se dit au revoir. Voilà, j'arrive à tout de suite. Des bisous. Ba-dum-bum, ba-da-dum-bum, 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 ba-da-dum-bum,